Salut YouTube, nous sommes enfin de retour sur Cult of the Lamb, ça fait 1000 ans qu'on n'y est pas été. J'espère que le record ne fera pas tout laguer. Mais normalement ça devrait le faire, sachant que maintenant j'ai un peu un PC fait pour ça. Donc on verra ce que ça donne, hein, et puis voilà. Gérer une secte, c'est comme jouer à LoL, on ne l'oublie pas. LoL, c'est quand t'es dans la secte en fait. Tu la gères pas du tout, hein. Elle te gère, hein. Je vis avec un décalage horaire de 2 heures en avance sur la France, alors difficile de regarder un stream le soir. Ah bah je comprends bien, oui. Et sans indiscrétion, t'es où du coup? Pour avoir 2 heures? Bon! Jouer! Ah! La manette, s'il vous plaît. Voilà. Jouer... Alors, le Noop Occulte, on a joué 14h30, n'empêche, à ce jeu, hein. On a 19 adeptes, on a tué 4 hérétiques... 3 hérétiques sur 4. On va voir, parce que je me souviens plus trop. Salut Shidonio, salut à ceux qui arrivent. J'ai plus trop l'habitude de beaucoup parler, du coup je vais boire sa race. Alors attendez, c'est l'événement spécial Halloween là. La lune de sang se lève, c'est le début d'une nouvelle saison dans les terres de la vieille croyance. Fêtez la lune de sang durant cet événement spécial. Accomplissez le rituel de la lune de sang, donc un nouveau rituel. Ta gueule! Un nouveau rituel, afin de réveiller les esprits des morts pendant 3 jours, ok? Trouvez les fantômes des adeptes défunts. Oh, on va revoir nos adeptes morts là? Et pardonnez-leur leurs péchés, afin qu'ils trouvent la paix. Gagnez de nouvelles apparences d'adeptes et des décorations terrifiantes pour votre base. Ah, c'est stylé! Ah, des nouvelles apparences d'adeptes? Oui, quoi, putain! Milaway, niveau infini, niveau 5. Ah oui, je suis marié avec elle. Un vent glacial se lève, le repos des défunts est troublé, je les entends déjà s'agiter. Accomplissez un rituel de la lune de sang pour les réveiller. Bon, écoutez, avant de continuer le jeu du coup, je vais peut-être baisser le son et le remettre comme il était d'habitude. Avant de continuer le jeu comme prévu, on va faire cet événement juste pour voir ce que c'est parce que je sais pas du tout. Et si on peut revoir des... Oh putain, j'espère que parmi les adeptes qu'on va revoir, parmi les adeptes morts, il va y avoir le vieux normalement. Mais le problème c'est que le vieux, j'en ai eu plein. Ah mais attendez, mais tout a changé en fait, pendant mon absence. Il n'y avait pas tout ça là-haut là. Ok, alors attendez, il y a plein d'informations là. C'est quoi ça déjà? Oui, ça c'est les trucs pour aller en... Ah, je crois que j'avais lobotomisé mes adeptes. Je m'en souviens du caca partout. Oui, ok, c'est normal. De récolter du caca ici. Oh, je me souviens de rien, c'est terrible. Hein. Excusez-moi, hein, je m'en mets dans le bain. Je ramasse un peu leur caca. Ok, j'ai des adeptes malades apparemment. Là, j'ai des trucs à récolter. Alors, on va commencer par faire le rituel de la lune de sang comme on nous l'a demandé. J'en avais des trucs à récolter là. Ouais, on va commencer à faire un rituel de la lune de sang comme demandé. Hein. On va récolter ça, ça, ça là. Non, non, je veux pas parler en fait. Et ça là, voilà. Alors, rituel de la lune de sang. Qu'est-ce que dire que ceci? Oye, oye. C'est celui-là? Ça coûte 20 citrouilles, d'accord, ok, je les ai. Invoque une lune de sang qui éveille les morts pendant 3 jours. On va faire ça pour voir. Salut à ceux qui arrivent. Salut, sois pas triste. Salut, Mini. Ah, c'est stylé. Moi, j'aimerais bien avoir de nouvelles apparences d'adeptes, en fait. C'est ça que j'attends, là. On va pas se mentir. Ah, l'animation est cool. C'est marrant qu'ils fassent des événements sur ce jeu, parce que... J'ai l'impression que Cult of the Lamb, c'est un jeu, une fois que tu l'as fini, quoi, tu reviens pas dessus. Franklin a mangé un plat d'herbe. Ça fait bzz 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 à la croyance. J'ai appelé un adepte qui comme ça, en fait. Acceptez le cadeau de Milaway. Elle est où? Elle est là. Je savais que vous y arriveriez, vous êtes réellement une créature divine, oui, c'est sûr. Putain, mais elle monte tellement de niveau. Ah, la lune de sang, ça met un petit filtre sur le jeu, c'est stylé, ok, d'accord. Alors, normalement, pendant 3 jours, je devrais avoir des fantômes, là. Oh putain, il est malade, lui, il faut que je l'envoie se coucher. C'est qui, lui, Ramus? Je me souviens même plus des noms que j'ai donnés. Oh, la prod. Oh, la prod, incroyable. Je me souviens même plus du nom que j'ai donné à mes adeptes, en fait. Repos. Va te reposer, Ramus.
Ah, lui, il va... Non, il va pas chier partout quand même, lui. Mais pourquoi ils sont tous malades? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils chient par terre? Ça te fait rire en plus? Comment il s'appelle? Joule. Je l'ai appelé Joule. Vraiment très con. Pourquoi ils sont tous malades? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Mais lui aussi? Mais va te reposer aussi alors. Mais lui aussi? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez, il se passe des trucs bizarres dans mon culte. Salut. Ah merde, putain, j'ai pété le truc. Bon, c'est pas grave. Alors normalement, je devrais avoir des fantômes dans ma secte là qui se balade. C'est pas trop le cas là pour l'instant. Hein. Je récolte tout ce que je peux. C'est tellement dur de reprendre un jeu après 3 mois sans l'avoir. C'est Warden ça? Ok, ok, d'accord. Ah, c'est cool en fait. Dès que t'attrapes un fantôme, t'as une récompense en fait. Ah, une citrouille, c'est cool. C'est cool, hein. Mais moi, ce que je veux, c'est des apparences d'adeptes en fait. C'est juste pour ça que je fais l'événement. Hein. Oh putain, il y en a un là. Ça, c'était Kixo, ça, je m'en souviens. Ok. Une bougie. Ah, mais moi, je veux des apparences d'adeptes en fait. Je poserai jamais les décorations. Je suis nul en déco en plus. C'est pas pour rien que je joue pas à Minecraft ou à ce genre de truc. Oh, il y a des offrandes là. Alors, je sais que les viewers en général ils voient mieux que moi ce qui se passe sur l'écran. Ah putain, il y en a un là. C'est vu le pimpin lui en plus. Merde, il m'a dodged. Ok. Excusez-moi, je fais l'événement et après c'est parti hein. Yes, on a le corbeau. Oh. Une nouvelle forme qui vient. Cool. Bon, c'est un peu bizarre la tronche qu'il a, mais. Ok, on a le corbeau. Est-ce que je peux tout farmer d'un coup? Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est Renek, lui, non? Ouais, Renekton. Pardonnez-moi, j'ai échoué. Bah, super. Mais pourquoi il est mort? Bon. Bah, soyez pas triste, c'est pas grave. Je vais aller le poser. Ça va nous faire de l'engrais, en vrai. Je crois, hein. Putain, la prod du jeu, elle est incroyable. Il devrait laisser ça tout le temps en fait. Mais de toute façon, toutes les musiques du jeu ont toujours été quali, je trouve. Merde, je l'ai juste lâché, quel con. Composté. Ah oui, c'est ici, ok. Très bien. Bon, tout le monde est malade, je sais pas pourquoi. Je sais vrai. Ah si, je crois que c'est. Tout le monde est malade à cause du boss que j'ai croisé dans une run. Oh! Et il a rendu tous mes adeptes malades pour me punir en fait. Je crois que je m'en souviens. Oh, mais il est trop stylé lui! Trop bien. Il est bien l'événement, en vrai, j'aime bien. C'est juste dommage que le jeu ait pas une rejouabilité de fou, quoi. Salut, qu'est-ce qu'il y a? Poupoutre, je l'ai appelé. Peu avant que je ne rejoigne le culte, j'explorais Encrombre. Avec l'un des miens, je m'inquiète, partons à sa rescousse. J'accepte, mais je sais pas si je vais le faire. Je sais pas du tout si je vais le faire. Attendez, laissez-moi faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, là. J'ai vu qu'il y avait un fantôme sur la gauche, je vais aller le chercher direct après. Le culte, il en est où, là? La foi est ok, ça qui était ok. Pas question d'une maladie, ça ok. Et lune de sang, ok, bon bah tout va bien en fait finalement. Si je vais directement dans les adeptes, juste histoire de me remémorer un peu les noms. Milawet, Imo, Potam, ok, Ramus, Poupoutre, Dumbo, Hippotrampe, Axoloto, Gnar, Cerf Blanc, parce que c'est un cerf blanc. Stray. Ah, par rapport à Stray, ok, d'accord. Ça fait bzz bzz bzz, ça c'est la pub Miel Pops, bien joué, Nalf, Fizz, Joule, Franklin, la tortue, rêve de boomer, Soraka, Locke, Violisson, pourquoi je... Ah, parce qu'il est violet, ok. Pff. Ok. Bon. Oh putain, je t'ai vu, toi. Je te lâche pas. Enfoiré. J'ai raté le... Oh! Mais... Non! Mais il est... Mais dégage, dégage! Mais il est inattrapable, le truc. Ah, voilà, c'est bon. En plus, lui, je crois qu'il a... Il a vécu longtemps. Salut, Cuculte 12, ça va? Il est mort, parfait, ça nous fera de l'engrais. En vrai, c'est comme ça qu'il faut... Oh, c'est joli. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, en vrai. Tiens à dire que le dessin du live est magnifique. Le dessin du live. Salut Octavien, ça va? Tranquillou? Impec. Le dessin du live. Quel dessin?
Bon bah on a une déco en plus. Mais là je vais choper plein de fantômes pour avoir tout ce qu'il faut. Après on finit le jeu hein. Oh putain, je t'ai vu. Oh. Oh. Pas ouf. Je la trouve pas ouf. Elle est stylée mais moi j'aime bien les animes. Oh putain. Ok c'est bon. Je l'ai eu. Encore une décoration. Bon les décorations c'est ok. En vrai. Ah bah j'ai toutes les décorations de l'événement. Ok cool. Maintenant j'aimerais juste savoir les apparences d'adeptes. Où est-ce que je peux les voir d'ailleurs? Ah oh, merde je sais plus. Il faut que je fasse un rituel pour augmenter leur foi là parce que c'est chaud. Est-ce qu'il y a des fantômes qui se baladent là? Des fantômes. Putain mais ça a pris fort hein, dans le culte là. Il y a plus de... Oh. Je t'ai vu. Non, dégage. Ok, c'est bon. Ah, petit box sur l'animation. Oh non. Oh non, le jeu fait pas ça. Oh non, le jeu il a bugué, je déteste. Ah bah note à moi-même, il faut pas attraper de fantômes. Il faut pas attraper de fantômes contre un mur, sinon ça fait bugger le jeu. Ok. C'est pas grave, on y retourne. Tes muscles. Alors faudra me dire si tu les trouves un jour. Hein. Du coup, est-ce que j'ai raté des trucs ou pas? Ah oui, en effet, ça, il y a plein de trucs qui ont pas été sauvegardés, fait chier. Dommage. Oh putain, mais il y a encore le cadavre là. C'est notre engrais, ça, je reconnais. Hein. Bah, vous savez quoi? On va juste continuer le jeu. Hein. Parce qu'en vrai, je cherche des apparences et tout, mais je pense que je suis pas loin de la fin. Composter un corps, let's go. Est-ce qu'il y a des mecs malades que je dois envoyer se faire soigner alors? La crème? Non, je pense que c'est bon. Oh, la crème? Taille cross. 999, merci beaucoup pour les 3 mois, c'est gentil. Merci pour ton prime. Et bonjour. La crème? La crème encore. Ah, l'arbre décoratif qu'on a eu tout à l'heure. Strikers, merci beaucoup pour les 2 mois, c'est gentil. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ma chaise est en train de tomber en lambeaux. Qu'est-ce qu'il veut lui? Si vous étiez vraiment ce que vous prétendez être, cet endroit ne devrait-il pas être plus impressionnant que ça? Hein? Fabriquer des décorations. Ouais, j'accepte, ouais, mais pas maintenant. Alors, ça s'est pété. Putain, tout se pète, j'en ai marre. Y a pas un fantôme là qui... Oh, go, go, go! C'est que des anciens adeptes, ça c'est cool par contre. Je trouve ça vraiment sympa comme concept. Hein. Ah bah voilà, c'est l'apparence pas ouf que j'ai eu tout à l'heure. Je suis désolé, je récupère un peu ce que j'ai perdu avec le crash. Enfin, le crash, le petit bug là. Oh putain, t'es malade toi. Viens ici. Repos, allez hop. Oh oh, c'est Locke en plus, putain. C'est l'ancien Locke. Et le crâne que j'ai eu tout à l'heure, ok. Okidak. Un dernier fantôme? Ah oui, ici. Un dernier fantôme et puis on y va. Hein. Non, faut que je fasse un rituel pour augmenter leur foi parce que là, c'est la merde. Et il faut aussi que je trouve quelques personnes malades. Non, 1, 2, 3, 4 personnes malades ici. Ça me met qu'il y en a 5. Il est où le 5e? Où est le 5e malade? Oh, un fantôme! Ah. Merde, j'ai rien eu avec le fantôme là? Ou alors c'est bugué? Bon bah écoutez. Oye, rituel! Oh putain! Ça c'est good ça! Good soup! Ok, let's go, tout le monde est content, tout le monde est bien. Laissez-moi vérifier un truc dans le culte. C'est juste la foi en fait qui est pas ouf. Évidemment, bon, il y a 5 adeptes malades. Je vais augmenter leur foi vite fait. Je sais plus quel rituel augmente la foi, je vais vérifier vite fait. Ah, les sermons aussi, c'est bien ça. Oye, oye. Il était une fois, obéissez s'il vous plaît. Ben, pause finie. Eh ben, bon courage au taf. Bonjour, Amberny, bonjour. Un plaisir de retrouver la secte. Oui, bah, plaisir partagé. Le truc, c'est que j'aurais pas dû mettre 3 mois à continuer le truc, quoi. J'étais trop concentré sur YouTube, mais là c'est bon, YouTube j'ai une overdose, du coup je vais pouvoir restream tranquille.
Enfin, je vais pouvoir restream. C'était sans compter sur l'apparition de God of War 2 dans littéralement 5 jours qui va faire que je vais disparaître de la surface de la planète, mais... tranquille. La foi. Rituel du banquet. Ah bah ça les nourrit tous et ça leur donne 25 de foi. Bah go. Bon appétit. À tous. Aux toilettes, il y a une icône de maladie. Ah, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je pense qu'au niveau foi, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai eu des offrandes. Ouais, du bois, d'accord, ok, cool. Hein. Cool. Hein. Ah oui, non, mais ça sert à rien que j'aille voir maintenant, en fait. Ah, c'est quoi ça? Mais comment ils peuvent chier autant? Ah, mais ils sont malades, hein. Je crois que c'est ça, le problème. On va déposer le caca qu'on a en réserve. Voilà. Oh, il y en a peut-être un petit qui est malade, mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller dans l'antre de soi pour tuer Shamura. On va faire ça, hein, parce que... Parce qu'en soi, on a perdu... Oh! Pour 50 seulement? Allez, vas-y. Vas-y, c'est bien parce que j'ai envie de d'utiliser une de mes nouvelles apparences. Hein. Encore et toujours. Hein. Ok. Mosokako no Wanaka. Je vais accueillir une nouvelle recrue. Bonjour. Alors, normalement, le jeu a gardé en mémoire que j'avais le corbeau. Ouais, j'ai le corbeau, c'est cool. Ah, mais c'est bon, j'ai toutes les apparences, en fait. Bah, j'ai fini l'événement, voilà. Je vais faire un corbeau que je vais appeler. Corbeau. La couleur. Ah, mais c'est plus un corbeau là. Ouais, ouais. Bah, je vais le laisser noir quoi, hein, comme un corbeau quoi. Avec quelques petites marques sur la tronche, hein, je pense. Hein. Bon, il est mignon celui de base en fait. Bon, bah vas-y, hein, celui de base. Hein. Se soigne 15% plus lentement, super. Gagne des niveaux 15% plus lentement, super. Que des bonnes stats. Le corbeau a deux bouches, ouais, c'est ça qui me fait bizarre aussi. Edith Piaf, car c'est un Piaf. Je la garde en mémoire. Hein. Et puis on fera ça. Tu vas couper des. Des moucherons de merde. Tu vas couper des arbres. Voilà, super. Oh putain, mais j'ai tellement à récupérer. Ah, j'avais oublié ça dans ce putain de jeu. Que dès que t'as fini de faire un truc, il y en a un autre qui vient de pop. Ok. C'est bon? Ok. On se casse. En espérant que personne ne meure pendant mon absence. C'est où l'antre pour l'araignée, là? S-Z-Z. Où est Zizi? Ah oui, c'est là où il y a les... C'est là où il y a l'étoile d'araignée, je suppose. Hein. Alors, je crois me souvenir que ça devenait un peu plus compliqué. Le seul souci, c'est que bah j'ai plus aucun réflexe, moi. Oula. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des... Ouais, ok, d'accord. Un cœur corrompu. Maléfice consomme 25% de moins. Un demi-cœur supplémentaire et 10% de chance de coup critique. Ok. C'est quoi ça? Chemin de la vertu. Et ça? Ah, c'est les griffes. Je vais prendre les griffes, tiens. Ah, mais je peux prendre les deux. Yeah, désolé, je découpe le jeu un peu. Alors, laissez-moi me souvenir un petit peu. On roule comme ça. Bon, on va voir, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais trouvé ça. Tous sont les bienvenus au palais des miracles et des merveilles. De l'or à perte de vue garantie. La caverne de Midas est ouverte 7 jours sur 7. D'accord. Ah, on a découvert un nouvel endroit. Ok. La caverne de Midas. Bon. Eh bien, d'accord. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Non! Oh, je me déteste, hein. Je viens de claquer un truc. Bon. Alors, la bague. Ok, d'accord. Il va falloir que je réfléchisse, que je regarde un peu les patterns des ennemis. Hein. Alors? Ok, d'accord. Bon, apparemment, les ennemis mettent un petit temps avant de taper. Ils tapent deux fois, d'accord.
Oh là là, je suis rouillède. Rouillède. C'était ça ou League of Legends? Mais League of Legends, y a pas de fin, du coup, autant finir Cult of the Lamb un jour. C'est bien d'avoir mes deux petits trucs avec moi, là. Tac. Ah, c'est bien ce sort, en vrai. Ok. Ah, je me souviens que les griffes, j'étais pas super fan non plus. Moi, j'aimais bien le marteau. Ou tout simplement la... Enfin, tout sauf la dague, en fait, finalement. Hein, parce que la dague, c'est quand même la pire arme du jeu, quoi. Salut, Kaze. Le prime est claqué sur cette chaîne qualitative. C'est gentil, merci beaucoup. Et pourquoi j'ai pas eu de... d'alerte, what the fuck? D'accord. Vas-tu faire God of War en stream? Non, God of War 2, je vais le faire de mon côté. Parce que c'est le genre de jeu où j'aime bien être posé devant et ne rien dire, en fait. Enfin, juste... juste, je chill devant mon truc. Et je découvre toute l'histoire au calme. Après, peut-être qu'un jour j'aurai envie de stream ma PS5 et tout, mais j'ai pas envie de setup tout ça en fait. J'ai vraiment envie de me poser tranquille sur le jeu. Cela dit, je pourrais le stream tranquille maintenant que j'ai changé toutes les pièces de mon PC. En soi. Je suis en train de parler, je sais même pas ce que font les ennemis, hein. Je tape, c'est tout. Hein. Ok. C'est quoi les chemins là? Ok, bah c'est juste une ligne droite pour l'instant. Ok, sale bête de merde, j'aime pas les araignées dans aucun jeu. Même si l'araignée qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est celle sur Hunt Showdown. Je sais pas si vous connaissez le jeu. C'est un jeu excellent qui peut se jouer jusqu'à 3, je crois, 4, je sais plus. Et dans ce jeu, il y a une araignée géante qui est immonde. Voilà. Où est-elle? Super. On va remonter. On est quand même au 69e jour. Hein. Ok, on met son icor tranquille. Hein. Oh! J'avais toujours pas compris ce qu'il faisait. Maintenant, c'est bon, je sais. Ok, bien joué, Nalf. Bien joué, je. Salut, aucun commentaire, ça va? Tu dates? C'est triste, même pas d'animation. Ah, bah merci beaucoup pour ton prime case, c'est gentil. C'est bizarre. C'est très bizarre, normalement les alertes elles se sont lancées juste depuis le début du stream en fait. Ça va bien et toi BG? Ça va très bien, merci. En fait, je vais vous expliquer un truc, je vais vous faire une confidence. J'ai tellement charbonné YouTube au mois d'octobre que depuis que j'ai sorti le Pourquoi jouer sur Viego, je suis vide. Je n'ai absolument plus envie de faire quoi que ce soit de ma vie. Du coup, là, ça fait 3 jours littéralement que je suis allongé dans mon canapé devant Breaking Bad, en fait. Voilà, c'est tout. Je ne fais rien d'autre de ma vie, quoi. Et aujourd'hui, c'était parti pour faire la même. Je me suis juste bougé le cul une bonne fois pour toutes et je me suis dit, il faut quand même que je fasse un truc, quoi. Parce que là, c'est chaud, t'es en train de végéter, donc... Donc voilà, non, mais là c'était trop. Hein. J'ai des périodes de mou où j'ai plus envie de rien faire de ma vie en fait. Genre, juste envie de me poser devant un truc et de laisser passer les journées. Mais là c'est bon, là, il faut faire du streaming un peu. Quand je suis pas concentré sur un montage ou quoi, autant stream quoi, mais. Voilà quoi. J'étais pas très chaud. En fait, le problème avec moi, c'est que j'ai jamais envie de faire un truc, mais dès que je suis en train de le faire, je suis très bien. C'est... c'est pareil pour les repas entre amis ou des trucs comme ça. Hein, quand il s'agit d'organiser le truc, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire. Mais une fois que j'y suis, je suis trop bien. Et là, pour le stream, c'est pareil. J'étais pas chaud du tout aujourd'hui, puis finalement, je suis très bien au stream. Faut juste que je me bouge le cul, quoi. Que je me laisse pas... Je me laisse pas contrôler par ma flemme et le vide en moi. Et puis après tout se passe bien quoi. Elle par contre elle me pète un peu les couilles, je vous cache pas. Par contre le jeu est toujours aussi joli. Hein. Je le dis parce que j'avais pas encore découvert cette zone donc... Les gens qui suivent le let's play sur la chaîne VOD, ça me fait mal au cœur pour eux parce que ça fait quand même 3 mois qu'ils attendent la suite. Salut YouTube, désolé. Hein. J'étais très occupé. Hey pour Dragonflight, ouais de fou hein.
De fou. Et je rejoue à WoW en plus en ce moment. Et je suis censé écrire un pourquoi jouer sur WoW là, justement. Mais comme je suis dans ma période où vraiment l'inspiration du vide est en moi là, et bah le pourquoi jouer sur WoW il ne s'écrit pas. J'ai déjà mes 20 points que je vais traiter sur la classe que je vais traiter dans WoW. Est-ce que c'est pour Halloween ça? Mais je n'arrive pas à écrire donc on verra. Putain, j'ai eu deux cœurs noirs dans le truc là, c'est trop stylé. Salut Rex, merci, c'est gentil. Après une pause, ça fait jamais de mal à personne. Ouais, c'est sûr. Mais là, franchement, trois jours de suite à rien foutre. En fait, moi, je sais pas si vous êtes pareil, mais plus je fous rien, moins j'ai envie de foutre quoi que ce soit en fait. Salut! Je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui et je me fais aucune illusion. Je sais que la fin est proche. Peut-être trouverai-je un peu de réconfort dans cette confession. La culpabilité me pèse. C'est moi le premier qui lui a fait part de mes idées de changement. Vois-tu, j'ai une inclinaison particulière pour le savoir, un sujet en perpétuelle évolution. Bien sûr, ce qui est simple pour moi est tout à fait contre nature pour lui. La mort ne fait pas machine arrière. J'ai alors pris la décision de l'enchaîner et de le soumettre à l'emprise de ses quatre frères et sœurs. Là, Shamura, il parle de celui qui attend, hein. C'est maintenant ton tour, Agneau. Incline-toi. Mais toi, t'as cru, toi? Un lion sous la forme d'un agneau, je n'en attendais pas moins de la part du porte-couronne. Qu'il en soit ainsi... J'ai le nez bouché ou quoi? Qu'il en soit ainsi. Le savoir n'est pas mon seul domaine de prédilection, la guerre en est un autre. Non, bah let's go. Tu veux la guerre? Aïe. Je fais de la couille aussi, parfois, hein. Je ne m'inclinerai pas devant la grosse araignée, hein. Oh putain, par contre, je fonce dans les trucs comme un giga con. Je vous avoue que la map bleue, avec les lunettes bleues, c'est pas fou, hein. On s'y retrouve pas de fou, hein. Qu'est-ce que j'ai envie d'enlever les lunettes? Mais je sais que si j'enlève les lunettes, dans deux heures, je vais avoir mal au crâne et c'est même pas la peine. J'ai bien retenu la leçon du stream d'Halloween. D'ailleurs, j'ai dû arrêter en plein milieu d'un let's play sur Bendy and the Ink Machine. Là, il faut que je continue ce jeu. Il faut que je le finisse aussi. Voilà. Hein. Ah, Pierre glisse. Comment ça, Pierre glisse? Et sinon, pour continuer à dire ce que je disais, Dragonflight, je suis extrêmement hypé. Parce que je sais que je vais passer au moins deux semaines excellentes sur le jeu. Et cette fois, j'espère que ça durera plus de un mois et demi, ma hype, parce que en général, sur les extensions, je m'éclate pendant un mois et demi et puis après, je pleure parce que ça me plaît plus. Elle est un peu petite, cette salle, pour autant d'ennemis, non? Ok, bien joué. Ok, fort bien. T'as joué à Ghost Watchers? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien y jouer, ça a l'air sympa en vrai. Je joue sur serveur privé parce que je joue en mode très casu et pas envie de mettre de l'argent dans un abonnement. Ah ouais, bon, je comprends, ouais. Je vois. C'est un boss ce truc? Ah non, c'était pas un boss. C'était juste un bolos. Un sale bolos. Je vais aller par là-bas. Ah ah! Ok, là on a le boss donc. Attaque qui peut être chargée pour infliger plus de... Ah, j'aime bien ça, moi. Ou alors une hache. Ah, la hache, hein. Bah ouais, hein. Ouais, j'aime bien la hache, elle fait mal. Je vais aller voir juste les salles que j'ai pas vues, parce que avec un peu de chance, je vais choper un bonus ou un truc. Et puis après, on verra, hein. DTC Thanatos, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai joué hier avec des potes, le jeu est incroyable. Il est mieux que Phasmo, parce que je vous avoue que... Bon, on a passé vraiment 3-4 games excellentes sur Phasmo, parce qu'on s'est bien amusé avec la team là. Mais, en termes de peur, c'est pas la folie, hein, Phasmophobia. Hein. Je suis désolé, mais... Et pourtant, le jeu a eu des... Oh ! Et pourtant, le jeu a eu des mises à jour et tout, mais... Je me suis dit, avec les mises à jour, ça va être ouf. Mais j'ai pas trouvé le jeu effrayant plus que ça. Parce que
En 2h30 de jeu, j'ai eu quoi, deux coups de pression. Je me suis pris deux coups de pression qui m'ont mis à peu près mal, mais... Et à part ça, voilà quoi. Hein. J'avais commencé aussi Have a Nice Death. Ouais, ça c'était pour l'après-midi spécial roguelike et... Je pense pas que ce soit le jeu que je vais pas le continuer, Have a Nice Death en vrai. Le Death, pas Death. Le jeu est bien. Timo a atteint la vieillesse. Ah merde, le jeu est bien, mais ça m'a pas accroché plus que ça. Putain, mais il y en a des mots. Oh, client fidèle. Oh, qu'est-ce que c'est? Remplis votre jauge de ferveur lorsque vous entrez dans une nouvelle zone. Mais c'est bien ça. Bon, je l'ai pas là pour cette run, mais c'est bien. Avec ton coup de cœur pour Hades. Ouais, mais je connaissais déjà Hades. Mon vrai coup de cœur, ça a été Dead Cells. Dead Cells que j'ai poncé pendant 2 jours après, en off. Et c'était vraiment trop bien. Dead Cells, c'était vraiment cool pour le coup. Ce qui est bien, contrairement à Phasmo, c'est que les monstres sont vraiment différents. Ils ont tous une apparence flippante. Ouais. Bah en vrai, si ça met des coups de pression et tout, moi j'aimerais bien faire ça. Acheter... Ah mais putain, acheter un truc malade aussi. Mais pour 10 gold, je le prends. Hein. Vas-y, je le prends. Très pesant en termes d'ambiance. Ah ouais, faudrait que j'essaye alors. Ok. Bon, des adeptes, on en a là. Hein. Le boss, let's go. Let's fucking go. On va voler la dévotion. Super. Et on pète ça juste pour le plaisir en fait. Oh, les dégâts de la hache par contre, c'est quelque chose hein. Croix sur LOL, MDR. Excellent jeu de mots. Mais putain, mais je suis nul. Pardon. Je sens le cul un peu là hein. Je perds des points de vie pour rien. Dead Cells sera pour des dizaines voire plus. Ouais ouais, mais j'ai pas arrêté pendant 2 jours là. Après le stream, c'était terrible. Plutôt cool hein. Putain, il y a trop de chemin. Oh, encore. C'est quoi ce gros non-off là? C'est dégueulasse. Ok. Je sais pas ce que je tape, mais je le tape. Ok, un de moins. Deux de moins, parfait. Et j'ai lancé mon sort sans faire exprès. Bien joué. Bon, je vais un peu au hasard niveau chemin là. On verra plus tard. Hein. Oh! Ok. Des araignées. Bah super. Je les tue juste pour le plaisir. Ok, cette salle n'a servi absolument à rien. Hier, à peine rentré dans la maison, première seconde, je me fais grappe par le monstre et il m'envoie super loin de mes potes. Ah, oh, c'est trop stylé ça! Ah, en vrai, faudrait que j'essaye avec. Avec la team. Peut-être pas avec la team parce que c'est chaud de tous se réunir. Suivant les emplois du temps. Merde! Au moins avec Tonelor, faudrait que j'essaye. Ça pourrait être marrant. La crème encore? Tellement d'argent mis dans cette chaîne Twitch. Trop mignon. La langue. Tirant la langue en plus. Merci beaucoup Eshidn pour les 28 mois. Putain ouais quand même hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, une torche araignée, mais c'est super. Picabou. Tellement d'argent mis dans cette chaîne Twitch. Oui bah c'est gentil, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai le nez un peu bouché aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je dors la fenêtre ouverte comme un gros connard. Ouais bon, je vais pas tout casser, on va y aller hein. Et vu que ça fait très longtemps que j'ai pas stream, j'ai beaucoup de mal à articuler, à construire mes phrases correctement. Mine de rien. Y'a quoi là? Ah! Merde, je suis au boss là en fait. Ah, ok. Bon, ça va bien se passer hein. Ok, bien joué Nalf. Putain, je lui mets des patates. C'est incroyable.
Aïe, moi aussi je sais le faire, hein, regarde. J'étais raté, mais c'est pas grave. J'étais touché. J'étais touché. Ok, faut que je m'en aille, hein. Ok. Putain, mes lunettes bleues sur cette map, elles me hint en fait. C'est impossible de voir correctement. Oh, ça va, avec toute la vie que j'ai, je le passe, hein, le boss, hein, quand même. Enfin, je vais me faire karma, mais... Je vais peut-être me faire karma, en vrai. Non, ça va, si je... Si je lui mets le coup de la victoire, là. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, par contre... Oh, pour une fois, le skin de boss est pas dégueu. Mais toujours pas ouf, hein. Si t'as une bonne couette, ça va, la fenêtre ouverte. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je m'endors en ayant... Oh, une apparence d'adepte, mais tous les jours. Ok, ouais, peut-être pas, alors. Gland de feu 12, merci beaucoup. Ah non, Napior, merci beaucoup. Bah, les deux, en fait. La crème. Ah oui, voilà, il bonjour, est là. Bonjour, Slurp, Slurp. Bonjour, Slurp, Slurp. Merci beaucoup, Gland de feu 12 et Napior, du coup. Merci. Bienvenue, Napior. Merci pour le sub, c'est gentil. Pas dégueu. De quoi, pas dégueu? L'apparence du boss, là? Elle était moins dégueu que les autres. En vrai. Moins dégueu que les autres, je trouve, personnellement. Mais c'est quand qu'on tue la grosse araignée? Ah putain, on doit refaire deux runs? Oh la vache. Oh la vache. Bon, par contre, j'ai chopé beaucoup d'adeptes, je crois, sur cette run là. J'ai chopé combien? Ah, 3 adeptes, bon, bah c'est déjà bien. T'as regardé le dernier Halloween au cinéma? Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je vais peut-être le télécharger pour voir. Légalement, bien sûr, je vais le payer, oui. Stray n'est plus un démon. Ah oui, c'est vrai que les démons qui me suivaient, c'était mes adeptes que j'avais transformés. Salut les potes, y a des malades? Non? Vous avez faim? Vous avez un truc? Vous avez des réclamations peut-être? Je sais pas. Ce qui est bien, c'est que comme c'est une secte végane, je peux leur servir de l'herbe. Également, oui, bien sûr, je télécharge toujours mes films également. Oh, hé, oh, oh. Bienvenue, Orange, bonjour. Orangeux. Je vais leur donner de l'herbe à manger, là. Et puis, en avant, gang-gang, comme on dit. Oh, putain. Ah ouais, mais si tout est pété à chaque fois aussi. Bon, bah, écoutez deux secondes. Écoutez deux secondes. Attendez deux secondes, je veux dire. Je vais refaire... Je sais plus où c'est, moi. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché à ce jeu de con. Réfléchis, Nalf. Arrête d'être con. 2 secondes. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça, en fait. Ah, c'est ça, putain. Mais qu'est-ce qui me manque? Ah. Bon. Je vais faire des posts simples, hein. On n'est pas non plus... Ouais, voilà, j'ai pas besoin de faire des vrais postes de fou. De toute façon, on arrive au bout du jeu, là, normalement. Si tout se passe bien. La place, là? Ouais, là, il y a la place, là. Allez, au travail, les potes. Je vais vous faire à manger. Je vais vous faire à manger, et puis après, on va continuer à faire des runs, parce que... Très bien. Bon, on va faire des plats d'herbe, hein, pour tout le monde, hein, c'est la fête. Mais j'ai plus d'herbe! Ah non, c'est la crise, hein. C'est la turbo-crise, là. Si on a même plus d'herbe... Après, il y en a plein partout, là, tu vas me dire. Hein. J'ai peut-être tout ramassé. Ah, putain, j'ai des adeptes à accueillir, moi. Est-ce que je peux récupérer de l'herbe ici? Ah non, je peux pas, en fait. Putain, il faut que je récupère l'herbe dans les runs. Oh, là, va... Oh, putain, il y a des vieux qui servent à rien. Je vais peut-être les sacrifier. Hein. Faut que je ramasse leur caca. J'essaye de me souvenir de ma morning routine dans la secte, en fait. C'est ça, le truc. Ah, putain, c'est cassé, ça. Ok, très bien. Plus rien n'est cassé. Faut que je fasse des lits, en plus, pour les nouveaux adeptes. Oh là là, c'est chiant de gérer une secte, hein. Locke a mangé un plat d'herbe, c'est bien. Après le sub YouTube, maintenant le sub Twitch. Eh ben, merci, bienvenue à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut, mes gars, ça va? Je me présente, Orange, très peu actif sur Twitch, très actif sur YouTube, et là depuis très très longtemps, depuis la vidéo, pourquoi jouer F200? Ah oui! À cause de toi que je joue à League of Legends. Ah, je suis désolé. Oh, pour le coup, fallait pas faire ça. Hein. Mais merci beaucoup de passer, c'est cool.
Plat d'herbe lundi, plat d'herbe mardi. Ouais, bah des plats d'herbe tout le temps en fait. Mais bon, on a plus d'herbe maintenant. Donc, comme bon jeu d'horreur, il y a aussi Enter the Backroom. Alors nous, on a fait Escape the Backroom. Manger de l'herbe. Ouais, je suis désolé, mec. Mais... Alors, toi, tu t'appelleras Couscous. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de l'appeler Couscous. C'est mignon. Et ton apparence, ce sera. Un nounours. Couscous le nounours. Hop. Couscous le nounours blanc. Avec un visage comme ça. Très bien. Et du coup, ignore les rebelles. Très bien. Plus 10 fois en tombant malade. Bah très bien. J'espère qu'il tombera malade. Et puis... Bienvenue, Couscous. Oh. Qui a un visage rose, hein, du coup, maintenant. C'est logique. Tu vas participer aux travaux, toi. Bienvenue. Ah putain, lui, c'est le mec malade. Je vais t'appeler Vomito. Et tu seras... Eh, elle est sympa, cette apparence. Je vais l'utiliser pour un autre. Tu seras Vomito et tu auras quoi comme tronche, toi? Oh, tu seras un Cthulhu. J'en ai plus rien à foutre. Avant, je voulais pas faire de Cthulhu, je voulais que des animaux, mais c'est bon. Vomito et tu seras vert parce que t'es malade. Voilà. Ouais, vert clair comme ça. Avec comme variation une petite croix sur la... Oh non, c'est mignon ça. Travaille 10% plus lentement, ok. Ignore les rebelles, c'est bien, vas-y. De toute façon, lui, on va l'envoyer se reposer, on n'a pas le choix. Vu qu'il est malade. Oh! Ok, repos. Bonjour. Vomito est gravement malade, oui, on sait. Et toi, je vais choisir ton apparence avant de choisir ton nom. Ah oui, putain, toi, t'auras l'apparence d'Halloween, là, celle-là. Ouais, il est stylé. Il est stylé. Bah, je trouve que le plus logique, ça reste ça, hein, vu que c'est un peu un squelette. Oh, avec les larmes de sang, c'est stylé. Ah ouais, j'aime bien. Et tu vas t'appeler... Halloween. C'est nul à chier. Arrête. Tu vas t'appeler... Allo. C'est encore plus nul à chier. Allez, hop. Et ignore les rebelles. Très bien, génère de la dévotion 15% plus vite. Allez, allô. Allez, allô, allô. Lich. Oh putain, Lich, c'était stylé. Putain, il faut que j'apprenne à lire le chat, hein. Les moutons satanistes. Ah ouais, plutôt, tu vas faire quoi d'ailleurs? Ah bah, tu seras notre jardinier. Let's go. Est-ce qu'il y a des lits pour tout le monde? Oui, bah parfait. J'ai combien de Pourquoi il dort par terre, lui? Alors, stress. Ah, mais d'un autre côté, je vais utiliser mon cercle démoniaque pour justement... Je vais remettre stress parce que je l'aime bien. Il est où? Il est là. Tu seras mon démon attitré, toi, en fait. Pour la prochaine run qu'on va faire, bien sûr. Ok, donc toi, t'es mon démon. T'es mon bijou. Et qui d'autre sera un démon? Timo, normalement. Eh, je vais peut-être mettre le Timo, en fait, en démon. Il est où? Il est où, ce con? Ah, mais Timo, il est vieux, il sert plus à rien. Oh, Potam, il peut se transformer en un truc stylé. Cible un ennemi aléatoire et explose à côté de lui. C'est cool, ça. Ça, c'est quoi? Vous octroie un demi-cœur spirituel au début, on s'en fout. S'envole pour aller chercher des cœurs rouges. C'est pas mal. Tire un projectile vers l'ennemi le plus proche. Ouais, j'aime bien ça, moi. Allez, Dumbo. Donc Dumbo et Stray seront mes deux démons pour la prochaine run. Ensuite, Timo, il faut que je le sacrifie fort. Je vais attendre qu'il fasse jour, que tout le monde se réveille. Je vais sacrifier Timo. Non, pourquoi je devrais manger en fait, je m'en fous. Je vais construire vu que personne n'a branlé quoi que ce soit. Bonjour à ceux qui arrivent, ça va ou quoi? Oh là là, ça date. Ils meurent pas les démons après la run? Non, ils redeviennent des adeptes normaux. Heureusement. Heureusement. Salut, Fak Vig. Il est déjà un démon. C'est pour ça que je voulais le... Ah, bah j'ai plus besoin de travailler, c'est bon. Alors, salut les potes. Juste un truc. Il est temps de sacrifier Timo. Et faire mon sermon du jour aussi, hein. Petit sermon, là. Oyez, oyez.
Donnez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Oh. Vous avez vu, je suis tellement narcissique. Je suis tellement narcissique que je bois dans une tasse la pitchouli. C'est le summum de la grosse tête. Alors, couronne, rituel. Je voulais faire un rituel. Non, c'est pas un rituel que je veux. Si, sacrifice. Si, c'est là, c'est dans les rituels, je pense. Oui, c'est ça. Rituel sacrificiel, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Allez, petit rituel sacrificiel, on va tuer le vieux. Timo le vieux, il est où Timo le vieux? Ah, où es-tu? Ah, tu es là, Timo. En plus, t'es niveau... Ah ouais, mais t'es quasiment niveau 5. On va faire un truc qui est pas très moral. Pour changer, d'ailleurs. On va faire un truc qui est pas très moral. On va trouver Timo, qui normalement devrait sortir, là. Voilà. Salut, Timo. Est-ce que je t'avais déjà dit à quel point t'étais un mec super cool? Eh, hey, continue comme ça, t'es le meilleur. Allez, maintenant, on va le tuer. Vu qu'il est monté de niveau, il va nous rapporter plus, en fait. Ding, ding, ding. Salut. C'est la fête au village. Niveau 5, maintenant. Très bien. Il a 55 ans. C'est l'heure de mourir. À bientôt. À bientôt. Thanatos et le Pitchouli pour mon streamer préféré, c'est ça, hein. Bienvenue Thanatos d'ailleurs. Ouais, on a... C'est bon, Timo est parti. Et je crois qu'en plus ça a servi à rien parce que je suis à fond moi dans mes trucs. Bah non, quasiment à fond. Est-ce que tout va bien dans mon cul? Ouais, rien à signaler. Hein. Y a un adepte qui est malade, mais il est parti se reposer, donc c'est impec. Ça, j'en ai marre que le mec qui dort ici casse tout le temps son lit, bordel de merde. Ok. Lui, il va chier, tout va bien. La vie suit son cours. On a... Le cadavre qu'on a placé ici, qui nous a rapporté pas mal de caca, c'est cool. Parce que les cadavres se transforment en caca dans ce jeu. Je pense qu'on est reparti pour une run, là. Pourquoi s'en priver, en fait? Là, je suis dans un mood de bagarre, en fait. Hein, donc, je crois que c'est bon. On a combien d'adeptes, d'ailleurs? 21. Putain, c'est bien. Il y a un mec, je sais pas si je l'ai déjà dit au dernier stream. Peut-être, parce que je me répète souvent. Il y a un mec qui a... Oh putain, il y a un endroit qu'on n'a pas été visiter. Il y a un mec qui a réussi à avoir 100 adeptes, je crois, un truc du genre. Et il a été le premier joueur de l'histoire de Cult of the Lamb à avoir 100 adeptes vivants. Quel bordel ça doit être, putain. C'est quoi cet endroit, du coup? Oh, il est moche. Bienvenue, bienvenue. Regardez tous, nous avons de la visite. Arrêtez de ricaner, l'agneau ne paye peut-être pas de mine, mais la fortune sourit aux fallacieux. Je veux dire aux audacieux. Camarade, la caverne de Midas sert uniquement une clientèle de haut de gamme. Si tu penses remplir cette condition, alors bienvenue. Sinon... Mais je t'en prie, fais un tour dans mon humble repère. Reste tant qu'il te plaira. Si tu as des questions, Midas est là pour y répondre. J'ai pas confiance en ce truc, là. En plus, il est moche. Et qu'est-ce que je suis censé faire ici, moi? Il y a de l'or partout. Quel est ce traquenard? Sacrifier un adepte. Oh, j'aurais dû sacrifier Timo. J'ai pas un vieux. Parce que les vieux ne servent à rien, hein, je tiens à le dire. Personne n'est vieux, en fait. Si, mais Milaway, je lui ai donné une bague pour qu'elle vive plus longtemps que les autres. Ramus sera bientôt vieux, normalement. On reviendra pour tuer Ramus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des décorations. Oh, par contre, le crâne est très joli. Pour seulement ça? Bizarre, la caverne de Midas, un peu, hein. Ah, c'est stylé, hein. Mais bon, moi, j'ai envie de faire la bagarre, là. On va aller faire la bagarre, hein, tant qu'on y est. Tac.
Salut Majono, bienvenue. Allez hop, nous Poculte, c'est parti. Grosse bagarre. Oh putain, il a un lapin. Pour 50. Bon, ça remplacerait Timo en vrai. Ouais, vas-y. Et j'irai l'accueillir après la run. Oh, les sons qu'ils font à chaque fois, c'est quand même incroyable. Allez hop, c'est parti. Grosse bagarre. J'ai envie de tuer l'araignée là. Ok, on a quoi? 10% de chance de bloquer les dégâts. Bien, un cœur bleu. Quand il vous reste qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. C'est bien. Et révèle la carte. Bah, c'est encore mieux. Très bien. Alors, épée impitoyable. Et je connais pas ça, c'est nouveau. Ça a été rajouté dans une... Ah non, c'est juste une épée en fait. Ok, très bien. C'est parti. Non, on va tuer Ramus, hein. Nique Sam, hein. Oh, ça tape tellement vite, là. L'épée, c'est un plaisir. Ok. Ok. Très bien. Si on avance encore un peu... Oh, j'aime pas ces trucs, là. Il fait quoi, mon sort? Super. C'est au corps à corps. Bien joué, Nal. Et par contre, quand c'est au corps à corps, c'est fort. Hein. Oh! Koé a le pouvoir de te faire voir la radio. C'est vraiment fort ce truc, j'aime beaucoup. Ok. Ah, sa race de mort. Excusez-moi. En fait, je jouais avec mon chat il y a 2 jours. Et elle m'a arraché le doigt. Du coup, là, en appuyant sur la manette, j'ai eu très mal. Parce que ça cicatrise en fait. Ok. Ah! J'use et j'abuse de ce sort, hein, il est trop bien. Ok, fort bien. Ensuite. Ah, on pourrait monter. En vrai, cette salle ne sert à rien. On va monter. Oh, bonjour! C'est quoi ce truc? Shroomy. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Vous, les porte-couronnes, vous êtes tous les mêmes. Vous n'êtes rien sans vos fervents petits adeptes. Bah ouais. Rato n'était pas comme ça, il est resté fidèle à lui-même. Tu ne seras jamais à la hauteur. Rato, il a échoué donc, d'un côté. Hors de ma vue, je suis en route pour gagner une tonne d'argent aux osselets. Ah, d'accord, ok. Viens jouer contre moi si tu veux relever un véritable défi. Je vais l'oblitérer. Ouais, je sais où c'est, merci. Je vais t'oblitérer, mon ami. Sache-le, je suis trop fort aux osselets sur ce jeu. Alors... Ah, bien joué. Oh tiens, ma super pote. As-tu déjà réfléchi à ce qui t'attend une fois ta tâche accomplie? Que va-t-il advenir de toi? Bah je vais aller sur LOL. Tu es la bête sacrificielle élevée pour être abattue. Si je ne peux pas t'arrêter, je peux au moins te préparer à la souffrance à venir. J'ai été élevé pour être abattu, what the fuck? Il était le cinquième prélat de la vieille croyance, notre frère, Narinder. Ah voilà, c'est celui qui attend, donc il a un nom. Celui qui attend s'appelle Narinder. Narinder. Oh non, Potam. Et allô. Pardonnez-moi. Ah. Non. Non, putain, mais je viens de... Oh non, pas Potam. Mais quel jeu de merde. Je vais devoir tuer Potam et allô là. Allô là. Je suis désolé, Potam. Pardon, Potam. Pour l'autre, je m'en branle, je viens de l'avoir, mais Potam, putain. Ah non, des morceaux de Potam partout. Potam nous a quittés, fait chier. Bon bah allez. Corbeau nous a quittés. Ah, c'était pas Halo, c'était Corbeau. Oh. Je viens de perdre 2 adeptes là-dessus, là, vraiment. Potam renaîtra, hein, je vous le dis. Oh, j'ai plus de mana. Quel connard. Ok, fallait que je me débarrasse d'un obligatoirement. Ok, lui il va me lancer ses grosses boulasses. Ok. Ah, t'as tout raté, t'es trop nul, hein. Trop la honte, hein. Ok. Tu vas remplacer Corbeau par Edith. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais ramener Potam. Parce qu'il a rien demandé à personne, le pauvre.
Oh, il y en a des étapes là. Attends, mais ça fait beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, parce qu'il y a des icônes, je sais pas à quoi elles correspondent. Ça pue. Je vais partir par là. Et puis on verra bien. Et puis voilà. Oh, c'est trop mignon! Adorable. Adorable. Du coup, c'est qui lui? Tu as faim? J'ai tout ce qu'il te faut. Bah non. Hein. L'escargot était sympa par contre. Ça, je sais pas à quoi ça correspond, ce putain de signe de merde. Du coup, dans le doute, on va partir. On va être joueur. On va aller par le. Il connaissait les risques. Mais ouais, mais c'est trop triste. Qu'est-ce qui se passe? Une présence inquiétante se fait sentir. Shamura, est-ce toi? Le coup en ferveur des maléfices a doublé. Oh non. Oh là là! Bon, par contre, là, on a tracé. Hein. Je suis content. Je les ai pas tués. Je les ai envoyés vers un monde meilleur. Ok. Très bien. Salut les boys. Oh putain de merde. C'est vrai que ça coûte 2 maintenant. C'est un peu nul. Hein. Wouhou! Oh là là. Ah mais j'ai trop de... Qu'est-ce qui se passe? Vomito n'est plus malade. Personne n'a été emprisonné aujourd'hui, machin. Locke se rebelle et répand des mensonges. Pourquoi il fait ça? Enculé Locke. Tes partenaires sont gaming? Oui. Ah! Ouais, on est partenaire Instant Gaming, ouais. On fait des petits concours. Ah, on achète des jeux moins chers. Ouais, bon, stop. Du coup, n'hésite pas à faire... point d'exclamation concours si tu veux un jeu gratuit. Hein. Ah, mais je crois que le concours de ce mois-ci n'a pas été relancé, en vrai. Je me suis peut-être fourvoyé, là. Il me semble que ce mois-ci, le concours n'a pas encore été relancé. Ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que c'est mes trucs au-dessus de la tête là? C'était un dot? J'avais peut-être un dot. Échec de la quête. Ah oui, merde en plus. Oh, je vais retourner à la secte. Ça va être... Non, la foi elle est à 0 là. Alors. D'un côté j'ai... Tu m'as donné de l'herbe à manger, faux dieu. Ouais, mais d'un côté j'ai Locke qui répand des mensonges sur moi. La foi elle est à 0, ils ont faim. Ça va être un bordel mon dieu. Wow. Ok. Bien joué Nafle. Ouais du poisson, ouais du poisson. Pas besoin d'aller là, je vais monter direct. Hein. Moi je veux la bagarre. Bien joué et ça tape des petits doges de... Ok, bien. Bien de même. Montez. Quel bordel ici. Ok, bien. Des fois je fonce dans le tas sans trop faire gaffe. Hein. Oh! J'ai failli l'acheter tout à l'heure. Bah parfait. Mais très bien. J'ai failli l'acheter, j'ai bien fait de pas l'acheter. C'est joli par contre ce truc. Et ça coûte que 4 nonos, c'est ouf. C'est une belle déco. Une belle déco. Que je n'utiliserai sûrement pas d'ailleurs. Ok, qu'est-ce que ça nous propose pour le boss? Enfin pour le boss, pour la suite. Oh j'adore les marteaux moi. Ah ouais non, le marteau. Ok. Bon, c'est lent. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Ça fait tellement mal. Je viens d'aller sur la page IG de Cult of the Lamb pour l'acheter, on peut y voir ton live. Sérieux? Eh bah bienvenue, bonjour. C'est cool ça. C'est sympa. Et d'ailleurs, t'as pu l'acheter, il est en stock. Parce qu'il me semble que... Il me semble qu'il était plus en stock là récemment.
Ok, de la thune, c'est bien, gars. Et nous sommes au boss, mesdames et messieurs. Let's go. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, ok, non, c'est bon. Je me suis trompé de touche. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que c'est un peu lent, par contre, le marteau. Je me demande même si ça a pas été nerf. Parce qu'il me semble qu'il y a 3 mois, quand je jouais au jeu, c'était quand même un peu moins lent. Ça fait toujours aussi mal, par contre, c'est cool. C'est cool d'avoir la carte dévoilée, comme ça je peux directement foncer au boss. Sans me soucier trop de... Oh, la suite. Fort bien. Ouais, non, mais le marteau, c'est la meilleure arme du jeu, hein, je suis désolé. Hein. Si t'arrives à bien timer tes trucs, c'est trop fort. J'ai pas bien timé mes trucs, c'est moins fort. Ok. T'as des ennemis qui tapent plus vite, il faut que je dodge avant de taper. Ok. Bah très bien. Un pilier, mais super. Des fois j'ai envie de me poser sur le jeu en off, juste pour me faire une belle secte avec des belles décorations et tout, mais j'ai aucun goût en décoration, c'est honteux. Quoi ? Mensonge ? Calomnie ? Ok, bien. Ok, re-bien. Ah, il en reste un là. Voilà, bien joué. Ah, encore un petit choix ? Non. Je sais pas si je veux l'éclair de feu. Ouais, en vrai, ouais, je vais prendre ça. En espérant que j'ai pas un boss avec trop d'ad autour de lui. Oh, il est stylé. Horace. Oh. Oh, ok. Il a peut-être l'air un peu nerveux. Ça va, oh, ça va bien se passer. Oh, la vache. Attendez. Ok, il était un peu énervé. Wow. Ok, alors là c'est un jeu de patience, hein. Surtout que j'ai un marteau. Bim. Ah, j'étais trop loin, merde. Là normalement il a une autre attaque, voilà. Il me reste 2 PO, 2 PO, 2 cœurs. 2 PO. Bon, ce qu'a la thune, ces créateurs de contenu. Ah ! Finis-le, je t'en supplie. Ok, très bien. Putain, c'était tendu un peu. Ah bah, il est toujours aussi moche. Toujours aussi moche, hein, les skins de boss, ça bouge pas. Mais c'est stylé. Prochain Pokémon, petite hype aussi. Il y aura un let's play Pokémon sur le prochain, là, ce mois-ci, du coup. Bah, une quinzaine de jours. Il y aura un let's play Pokémon qui se fera en après-midi. Et j'ai très très hâte. Cadeau, je m'en fous. Betterave. Allez, on prend les betteraves. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un let's play Pokémon et je suis très content d'en faire un, en vrai. C'est l'occasion de faire des doublages de qualité et puis de rigoler un petit peu quand je prends 15 ans à capturer un Pokémon que je veux absolument. On doit faire encore une run avant de tuer la bête. 18 novembre, c'est ça. Et d'ailleurs, le 18 novembre, il y a aussi le prochain Dark Pictures. Hein. Le prochain Dark Pictures que je vais faire également en live, bien sûr. Parce que c'est le genre de truc que je suis obligé de faire en live. Parce que c'est trop bien. Violet ou écarlate ? Violet, il me semble. Si je dis pas de conneries, je sais plus. Celui où il est rouge, bah donc écarlate. Je suis vraiment un connard, moi. Hein. Oui, bah écarlate, c'est écarlate que je vais prendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez, bordel ? Les créatures affamées vivent dehors, non loin du culte. Nous devons leur offrir le gîte. Ouais, vas-y, amène-les. Et toi ? Vous êtes une créature supérieure, les poissons ne devraient-ils pas bondir eux-mêmes dans nos filets ? Rituel de pêche ? Ok, vas-y, je le ferai. Alors, écoutez les potes, je sais que vous vous rebellez tous, vous avez tous la haine contre moi. Ah tiens, Locke, viens ici, toi. Viens là. Réfléchis à tes actes. Sale bête. Le sermon du jour déjà. Et après on va voir. Team Violet pour ma part, le légendaire est trop stylé. Il est stylé aussi.
Mais oui. Oh. Alors, il m'a demandé quoi? Un rituel de la pêche? Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Allez, hop, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Il était une fois. La pêche, c'est bien. Ah, j'avais jamais vu l'animation de, du rituel. Ok, ça remonte un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter un peu la foi du culte là? Un lavage de cerveau, ce serait cool. Je le ferai après. Je vais faire un lavage de cerveau après, mais là déjà, on va faire un festin parce que... Non! Avant de faire le festin, il faut que je recrute les autres adeptes qui ont faim, justement. Je vous en prie, ayez pitié. Oui, t'inquiète. Je vais t'appeler Potam. C'est le retour de Potam pour le coup. Évidemment, Potam, c'est un hippopotame. Hein. Où es-tu, Potam? Putain, il me manque tellement d'apparence ici. Ouais, il m'en manque. Hein. Où es-tu, Potam? What the fuck, les amis? Eh, c'est ici. Et Potam, il était comme ça, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ils ont fait ça? Ok. Reviens d'entre les morts, Potam. Ah! Et tu seras un bûcheron. Ok, next. Toi qui es pas beau. Toi qui es pas beau, tu t'appelleras pas beau. Tout simplement. Et on avance. Allez hop. Parce que là, j'ai envie d'aller faire mon rituel. Et il dort par terre. Pourquoi il dort par terre? J'ai pas assez de lit, putain. Et tu vas... toi, tu vas miner. Tiens, tu seras un mineur. Shalamba, ouais. Figre. Ok. Ah. Choix de l'apparence. C'est quoi ce truc là? C'est pas beau. Ah, c'est vrai que j'ai pas de crabe. Je vais faire un crabe que je vais appeler Krabby. Simplement. Krabby? Ça s'écrit pas comme ça, Krabby? C'est Krabby comme ça le Pokémon, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est un Y. Si je dis pas de conneries, c'est un Y. Krabby, il est plutôt rouge, hein, il me semble. Ouais, Krabby. Ah, Krabby avec un K, mais je suis trop con, mais oui. Je me disais qu'il y avait un problème dans ma façon d'écrire Krabby. 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 Variation. Non, je vais laisser celui-là de base. Oh, quoique. Un peu de peinture sur le visage, ça a jamais fait de mal à personne. Il a quoi? Moins 10 de fois. Plus 10 de fois en tombant malade et travaille 10% plus lentement, mais c'est super. Ok. Il y en a qui dorment par terre, ce qui n'est pas vraiment normal. Donc je vais aller faire des lits, vite fait. Encore ? Je vais t'appeler... Et t'auras cette apparence, parce que t'es très mignon comme ça. Très bien. C'est bon, c'est fini ? Ok, fort bien. Alors, il nous faut des lits. Un ici, et puis un ici, c'est bien. J'ai amélioré les abris, j'en ai pas fait des nouveaux, je suis trop con. Oh, imbécile. Des nouveaux lits partout. Et puis je les laisserai construire, hein, c'est bon. Voilà, plein de nouveaux lits, hop, super, c'est parfait. Attendez, laissez-moi réfléchir. Accepter le cadeau de Mila. Ouais, ok, elle est où? Voilà, tout le monde dort. Hein. Je vais récupérer... Regardez le lock derrière, là, qui est totalement énervé. Comment ça, récupérer de la... Collecter l'inspiration divine. Ah, putain, qu'est-ce que je débloque, moi? Un poste de soin, ouais, à la limite. Hein. C'est vrai que le poste de soin, ce serait bien, quand même. Poste de soin. Ah. J'avais pas vu. Salut la bibite. Ok, on récolte ça. Le temps que le jour se lève. Dès que le jour se lève, j'accepte le cadeau de Violisson et de Milaway. Et après, je fais le rituel de la bouffe. Parce que là, ils sont vraiment au plus bas niveau foi. Ils me détestent tous. Est-ce que le jour peut se lever, s'il vous plaît? Je vais récupérer ça. Je vais leur mettre des graines. Je vais leur mettre quoi comme graines? Ouais, citrouille aussi, c'est bien. Ça fait des bons trucs. Et ça, c'est quoi? Chou-fleur aussi. Très bien.
Du caca, ils en ont plein. Il faut que je vide un peu le caca des toilettes. Parfait. C'est bien, la nuit, je... Ah, voilà. Alors, Violisson, bonjour. J'aurais jamais dû l'appeler Violisson. J'arrive plus à me dire que c'est parce qu'il est violet, en fait. C'est incroyable. Eh bah, super, merci. Hop. Parfait. Pourquoi il fait la gueule? Ah oui, bah oui, tout le monde fait la gueule. Je vais prendre le cadeau de Milaway et puis je vais faire le rituel, là, parce que tout le monde me fait la gueule. Parfait. Ok, let's go. Oyez, oyez. Venez, parce que sinon, ça va pas aller du tout. Hérétique. Ouais, c'est bon, crie, toi, t'inquiète. T'es au pilori, de toute façon, donc on peut plus faire grand-chose. Rip les 10-4 points de chaîne qui n'ont pas été activés. Ah bon? Par rapport au A? Mais oui, je l'ai activé tout à l'heure. Ou alors j'ai raté un truc? Ah non, j'ai rien raté, en fait. La nourriture. Nourriture. Putain, ils sont nombreux, hein, maintenant, c'est cool. Et j'ai pas de vieux encore. Miam Yum. Oh, moi. Il me faut à boire d'urgence. Je vais peut-être devoir AFK parce que... Et dites-moi, mon chat est toujours... Mon chat est toujours en train de dormir. Hein. Alors... Ah bah c'est bon, on est à fond. On est à fond partout normalement. Hein. À fond de le bal. Oh, merci les potes. De la thune, toujours plus. Est-ce que... tout le monde se porte bien. Et après je repars faire une run pour tuer cette putain d'araignée une bonne fois pour toutes. Je pense que tout est ok. On a quoi? Un traître répand des mensonges, c'est bon, il est au pilori. Vos adeptes manquent de sommeil. Ah, deux adeptes sont épuisés? Qui ça? Ah oui, je te vois. Pas travailler. Va dormir toi. Oh putain, vous avez encore pété vos lits, mais c'est pas possible! Et qui d'autre d'ailleurs? C'est Gozo. Je dois assigner quelqu'un au poste. Ah, c'est pour se faire soigner, ça, on s'en fout. Qui d'autre est fatigué là? Oh putain, lui il est à fond. Super! Qui d'autre est fatigué? Ah, tu es là. Va dormir, tu l'as bien mérité. Ça va, Locke? Non, trop la honte. Ok, bon, petite bagarre là. Ou est-ce que j'irai pas faire fermer sa gueule à l'autre qui veut jouer aux Oslaves? Je pense que je vais faire ça vite fait. T'as fait ton harem? Ouais, c'est bon là. Je suis marié avec plein de personnes, on est bien. C'est qui faisait le malin? C'est lui là. C'est encore toi alors tu as décidé de jouer dans la cour des grands? Ouais, t'inquiète, je vais te désinguer. Je te désingue, j'ai juré. Alors. Bon, je me souviens plus des règles. Mais go. Ok, 1-3. Évidemment, je commence avec un A. Avec un 1. Bon, après, peut-être que le jeu est truqué aussi, hein. Je dis pas... 5, ok. Je vais lui enlever son 3. Ah ! Ça peut durer longtemps. D'accord. Go. Ah ! 12. Oh mais lui il a un 6 et moi j'ai un 3. Boum. Non ! Jeu truqué. Ok, hop. Putain, c'est serré en plus, hein. Je vais lui enlever son 5. Bim. Je suis à 13, il est à 4. 13-13. Bon, là, ça pue. Il a toujours des valeurs plus grandes que les miennes, c'est trop de la triche, hein. Je lui enlève son 4, hein, tant qu'à faire. Bye bye à ton 5. Mais putain de jeu. Bah tiens, on enlève le 4. Ah. 29 à 15.
Ah. Ah. Je lui enlève son 5. Bien. Et mon 6 ici, en espérant qu'il le vire pas par pitié. Oh. Ah ouin. Ah ouin. Ah. Ah, c'est tendu. Putain, évidemment j'ai un 2, sinon c'est pas drôle hein. Là si je lui enlève son 2, je lui donne l'occasion de m'enlever mes 4 s'il chope un 4. Ce qui est un peu con. Au pire, je fais ça. Ah non. Un jeu truqué un peu. Excusez-moi, j'ai la tête dure, je vais réessayer. Parce que souvent le jeu il bug. Regardez ce faux Messi, même pas capable de gagner aux autres. Ah, on a compris que t'es un rebelle. Bon après-midi à ceux qui y vont. Bon après-midi. Évidemment, je commence avec un 1, sinon c'est pas drôle, hein. Ok. Pff, ça sert à rien. D'accord. C'est pas ouf, là, hein. Bien sûr. Chacun son tour, enfoiré. Super. Ça dégage. Oh. Ah ouais, super. Je lui vire ces 5 là. Ça dégage. Oh. J'espère finir vite en fait, c'est ça. Oh. 3-1. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je suis dans la merde, moi. Ah merde. Non, pardon, monsieur. Je crois que j'ai gagné. Si tout se passe bien. Beaucoup trop facile ce jeu. Let's go. Allez. C'est la manette. C'est la manette qui bug parfois. T'as eu de la chance, prends ça. On fait une nouvelle partie ou quoi? T'as les chocottes? Oui. Je retourne dans ma secte, moi. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Remplis progressivement la jauge de ferveur. C'est cool, ça. J'espère que je l'aurai à la prochaine run. Et il me manque plein de cartes, hein, n'empêche. Ok, fort bien, on se casse. On se casse. On va faire une petite run. Merci pour le GG, c'est gentil ça. Je pense que dans la guilde, dans la secte, tout se passe bien normalement. Moi, tout ce que je veux, c'est la bagarre. Oh, il coûte combien lui? 50? Ah, allez, c'est la fête. Toujours plus d'adeptes. Oh. Ça vaut le bien. Ouais, t'inquiète. Alors. Oh putain, ça y est. Donne une chance de recevoir un poisson. Oh, c'est de la merde. 10% de chance d'infliger un coup critique. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran. Ouais, d'accord. J'ai pas mes démons. Je suis trop con. Les 5. Les 5 ne sont plus. Ils ne sont plus rien du tout. N'échapperai pas à mon devoir envers mes frères et ma sœur. Mon peuple m'attend. Mon temple m'attend, pardon. La crème ? Ouais, alors mon temple, moi, je devrais y aller aussi. Je ne peux pas mettre le son ni rester car je suis au boulot, mais je viens pour les 27 mois. Hop, 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 Malfoy. Hop, hop, hop. Merci beaucoup Das Blue Storm, vu qu'elle peut pas mettre le son. Merci, cool. Let's go. Comme ça, cool. Comme ça, au moins, elle sait que je la remercie. Merci beaucoup. Oui, mais non, mais si j'ai pas mes deux... oui, bah non. Je rentre à la maison, moi. Hein. Je suis désolé, il faut juste que je prenne mes deux démons, sinon ça va pas le faire. Ouais, fuite, ouais, c'est un grand mot quand même. Ouais, pas vraiment une fuite, c'est juste... je retourne me préparer, quoi. Je retourne me préparer parce que j'ai oublié mes deux démons. Ah bah tiens, je vais accueillir lui tant que j'y suis. Shalomba, à toi aussi. Tu t'appelles Fina, c'est très bien. Allez hop. Ok.
Alors, on va mettre qui? Dumbo était bien. Il tire des projectiles, j'aime bien. Voilà. Et celui qui attaque au corps à corps, j'aime bien aussi. Donc je vais mettre lui. Axoloto. Parfait. Comme ça, j'ai mes deux démons. C'est parti. Et bah c'est super. Let's go. Putain, vous avez bien pris. C'est fou ça. Ah, j'ai une inspiration divine. Putain, mais je sais plus moi. Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Qu'est-ce que j'ai pas encore pris là? C'est quoi ça? Décoration basique, je m'en fous des décorations moi, je veux de l'utilitaire. Confessionnal, ouais, à la limite. Un tabernacle? Let's go. Tabernacle niveau 2, c'est bien. Parfait. Ah, je veux pas parler trop vite, mais ça fait du bien de pouvoir stream sans se demander s'il y a des problèmes techniques ou quoi. Ça change quoi, parce que j'ai eu ma période où j'avais que des soucis de stream tout le temps. Au bout d'un moment, c'est lourd. Là, j'ai changé toutes mes pièces. Tout va bien. C'est quoi ça? Ah oui, ok, c'est les nouveaux trucs. Ah oui, le tabernacle. Voilà, je l'ai amélioré. Ça va, Locke? Tu réfléchis? Non, il réfléchit pas vite, hein, par contre. Hein. Ah, mais si, il faut que je le sermonne, je crois. Ouais, discipliner, c'est ça. Tiens, je te discipline ta grand-mère. Voilà, encore 2-3 fois et ce sera bon. Tu seras redevenu un mec cool. Un mec cool. Let's go. Bon, cette fois, on se l'a fait, cette araignée, hein, c'est bon. C'est bon. Ah oui, ça relance les cartes. 10% de chance de gagner un cœur. Oh, tu en es... Oh, c'est bien ça. Maléfice consomme 25% de moins. Bien. Et deux cœurs bleus. Et une immunité au poison. Mais c'est trop bien avec les araignées. Alors là, par contre, si je foire ma run, c'est que je suis un gros nul. Hein. Alors, en plus, je commence avec une hache. 2 secondes d'invincibilité, blesse et repousse les projectiles. Bien. Putain. Je crois que j'ai jamais eu un aussi bon setup de départ. Pas de dégâts, par contre. Ça fait pas de dégâts. Non. Ah, les araignées, ah. Ok. Non, j'ai raté, ok, c'est bon. Oh. Ah, pas de ma grand-mère comme ça. Je te discipline, j'ai dit. Discipline. Cyprine. Fait de la purée mousseline. Ok, très bien. Oh merde, putain, c'est pas par là, c'est par là. Mais non, c'est pas par là. Mais je suis où, là? Ah, putain, il fallait descendre. Imbécile, hein. Ok. Oh. C'est bien, c'est smooth, hein. J'aime bien quand c'est smooth, hein. Ok. Je prends plutôt descendre ou plutôt à gauche. À coup de bip dans la gueule. C'est ça. Oh! J'avais pas vu ça. Grosse bête. Aïe. Je me suis pris un coup, je crois. Et je te pète la gueule, je te pète la gueule. On est sur le bon chemin, les amis, on est sur le bon chemin. Oh non. Oh non. Putain, j'ai eu peur que ce soit un malus. Oh la vache. Bah alors je suis bloqué. Oh non. Me fais pas tuer des adeptes, je t'en supplie. Je t'envie pas, jeune agneau, j'ai beau avoir le couteau sous la gorge, je n'échangerai nos places pour rien au monde. Il est temps de mettre un terme à cette triste histoire. Il attend à la pointe d'une lame aiguisée, il attend dans l'œil d'une tempête furieuse au terme d'un long périple incertain, on ne peut lui échapper. Kezako. Aïe! Putain! Ah ! Ok. Bien.
Ça se passe sans accro, hein. Eh, mais ça se passe plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Hein. Ok, bien. Et bah, c'est super. On peut y aller. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, je pense. Oh oui, let's go. Alors, pile de crâne, mais c'est super. Toujours plus de déco. Hein. Ah, il m'en manque 3 dans l'antre de soi. Ok, d'accord. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait le jeu à 100%. Hein. Alors, des pièces, du bois. Oh la vache, c'est loin. Comment c'est loin? Ah, je vais aller par là. On va aller par là. Des pièces. Hop, ça fait un truc de passé. Là, il va y avoir de la bagarre. On vole sa dévotion. De ses morts. Les pièces de coffre sont remplacées par de la nourriture. Ok. Ok, j'aime pas ces gros œufs là. Je sais pas ce que ça fait. Ah bah ça fait ça. Ok, cool. Ça fait pop des grosses baits. Et il faut le péter avant que ça éclose. Pleine close. Bien joué. Donc maintenant j'ai de la bouffe au lieu des pièces à chaque fois. Non! Ok, j'ai failli faire une grosse bêtise. Hein. Ok, ça dégage. Oh, c'est bien qu'il m'ait tout foncé dessus là au moment où j'ai claqué mon truc. Pourquoi je le rate tout le temps lui? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a du pichon. Droite ou en bas? On va dire droite peut-être. Oh putain, vite. Voilà, faut se débarrasser de ça parce que 15 000 araignées, non merci. 15 000 araignées, très peu pour moi. Bim. On continue par là. Comment je spam? Ah, oh, j'aime bien les salles un peu rapides comme ça, c'est cool. Oh, mais c'était une salle qui sert à rien. Oh. Attendez, je viens de récupérer de la chair d'adepte. C'est dégueulasse. Gloire à l'agneau. Salut gros bar. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des flammes? Trop fort. Point faible, trop fort. Ok, j'ai que de la chair d'adepte, ça sert à rien. Ouh. Ah, je les ai pas pétés assez vite, putain. Oh non! Oh non! Oh non, j'ai tout raté! Mais j'ai touché à où? Alors, ça propose quoi? Perce la terre pour déverser une horde de fantômes. Oh. Oh. Ah ouais, à la limite, hein. À la limite, ça peut être. Faut que je l'essaye, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est pas non plus un délire, hein. Mais vas-y, je le garde. Ok, on a fini cet étage. On passe au suivant. Là où il y a du bois. Là, après, on aura un adepte. Et après, on aura le boss, le gros boss. En espérant que je meure pas 4 fois dessus comme j'avais fait avec calamar de merde. Oh. Ah, vie max. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir la vie au max, mais quand même. Oh, tu travailles chez le veto d'As Blue Storm. Bon, de toute façon, tu m'entends pas, mais... Pourquoi il est pas content lui? Qu'est-ce qui se passe? Ô ténèbres, ô désespoir! Dites-moi, acceptez-vous les cruautés et la violence de ce monde? La vie est un supplice ou la vie est une joie? La vie est un supplice, bien sûr. Ah, il est content et il me parle en russe. C'était quoi cette interaction? Ok. Bah c'est bon, j'ai une nouvelle recrue. Je l'appellerai Jenali. Ou Vex. Je prends ça, je prends ça. Bon bah on arrive au boss hein. Ce sera soit très bien, soit très mauvais.
Oh, Brutti! Ça peut être que très mauvais si je fais des trucs comme ça. Vas-y, lance tes trucs là. Ah bah il l'a pas fait, what the fuck. Ça a bugué ou... Ah, c'est étrange, hein. Aïe 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 aïe, Nalf. Pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait, pas juste avant le boss, hein. Ok. Oh! Sale bête. De merde. Ok, parfait. Oh, encore un petit choix. Invoque des tentacules. Ou alors. Ah. Bah, en vrai, les tentacules, ça peut être cool, hein. Faut que je l'essaye, j'ai pas le choix. Ah, oh, oui, oh, les tentacules tous les jours. Alors. Les tentacules. Ah, oui, non, moi j'aime beaucoup. Il a eu style. C'est bon. Ah, non, putain, il y a le cocon là, de merde. Et bah voilà, parfait. On a du bois, on... Ok. Lui, il faut que je le tape tant qu'il attaque pas. Parfait, un de moins. C'est quoi ces trucs là? Ça fait peur. Ça fait peur, il y a beaucoup trop d'ennemis. Ça pue. Quoique, ça va. Oh merde, je me suis pris ça, imbécile. Que je lui. Tiens, dégage-toi. Ok. D'accord, il y a trop d'ennemis comme ça, j'ai trop de mal. Je sais plus où donner de la bite. Hop. Ah, les démons, en vrai, c'est vraiment un truc cool hein, pour aller en donjon. Ça t'aide, mais dis donc, hein. Bli-hat. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je comprends pas. Ah, oh, je me suis pris un coup de ça, vraiment. Un des ennemis les plus nuls du jeu là. Merde, mal joué. J'ai mal choisi. Ouh. Je suis immunisé au poison, je crois, pour cette run. Si je dis pas de conneries en. Oh oui, le boss, putain. Ah, alors, est-ce que ça va bien se passer? Je l'espère, hein. Je l'espère. En avant. Bon, petite sauvegarde là. Super, on peut pas. Ça aurait été bien. Bon, 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 bon. J'ai quoi? J'ai 4 cœurs et demi. Ouais. Peste, destruction, famine, force, être de pouvoir. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. C'est logique. Je sens qu'il va y avoir 15 milliards d'ads partout, ça va être infâme. Mais vraiment, infâme. Oh! Oh, sale bait! Qu'est-ce qu'elle chie là? Des bombes, ok, ça va. Alors je vais garder mon sort pour quand il y a des ZAD. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Wouh! Ok, note à moi-même. Elle... Oh putain, ça va pas assez loin ça. Note à moi-même, concentre-moi. Concentre-moi, Nalf, arrête. Faut que je détruise les ZAD, sinon ça va pas le faire. Heureusement que je roule comme dans Elden Ring, sinon c'est... ça aurait été la galère. J'ai quand même perdu un cœur depuis tout à l'heure. Faut que je la frappe, hein, j'ai pas le choix. Hein. Faut que je la frappe, frappe au max. Oh non, pas ça. Ah, j'ai utilisé un sort pour rien. Dégrédu. Adododi. Oh non. Ok, là il y a des AOE un peu partout. Elle s'envole. Ah, par-dessus la troisième corde.
Nalf, réfléchis. Ça m'a touché là. Je suis capable de l'avoir, il faut juste que je me concentre un peu. Ah, et que j'arrête de faire ça. J'esquive un maximum de choses, mais c'est chaud. Oh non, il me reste un cœur. Je suis dans une merde. Il me reste un demi-cœur. Non. J'ai été touché. Ah merde, je dois recommencer. Un jeu de con. Ok. La prochaine, c'est la bonne. Putain, il restait pas grand-chose. Hein. 12 minutes, la run. Putain, c'était si long que ça. Vous avez perdu 25% des objets. Non, mais putain. Araignée de con. Il me faut des démons. Je vais aller chercher des démons. Salut. Vous allez bien pendant que moi je galère? Putain, mais vous priez trop, hein. On en est où niveau foi? Ok, on est à la moitié. Ouais, mais là, il n'y avait pas de poison, du coup, mes bonus, ils servaient à rien. Alors. Mais il est fatigué, lui. Ah, mais c'est un vieux. Axolotl, je vais te sacrifier, en fait. Alors, faut que je répare vos putains de lits. Ok. Vos caca. Par dizaines. Vous avez quoi, là? Vous avez plus du tout de graines, putain, la honte. Ok. En vrai, ce qui est grave cool, c'est que je peux me permettre de juste faire des rituels de bouffe, de banquet, parce que j'ai beaucoup d'os. Je vais faire un sermon, je vais faire un rituel de la bouffe, et je vais retourner attaquer cette saloperie d'araignée de con. Oh! D'ailleurs, attendez, mais c'est quoi la police que j'ai, moi? Tire 4-4 de tarot au début du donjon. Ah oui, ok, d'accord, ça, oui. Ça, c'est quoi? Un manifeste, corps corrompu. Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué et faire réinitialiser lorsqu'un ennemi vous attaque. Waouh. Ça a l'air compliqué à jouer, ça. Mais bon, après, je peux pas le prendre, de toute façon. Rituel de bouffe. Ah, merde, je peux pas. Bah oui, bien sûr, j'en ai trop abusé. Bah, rituel de rien, vous allez tenir sans moi. Puis voilà. Vous n'avez pas cassé les couilles. Ah si, je peux peut-être bloquer leur foi pendant quelques jours, je crois. Attendez, je crois que je peux les matrixer. La foi sera verrouillée au maximum pendant 2 jours, c'est bien ça. Venez manger des champignons, les potes. On n'oublie pas de discipliner l'autre en prison. Ouais, faut que je lui apprenne les bonnes manières à lui, là. Manger. Ceci est mon shit. Voilà, ils sont tous stone, c'est bien. Tout le monde est content, du coup. Donc la foi est bloquée. Et est-ce que je peux bloquer leur faim ou un truc? Ah, rituel de l'effort. C'est bien ça aussi. Vas-y, je vais leur faire un rituel pour qu'ils travaillent pendant 2 jours sans s'arrêter. C'est bien aussi ça. Bon, c'est un peu c'est pas très cool pour eux, mais en vrai ils sont contents. En vrai, ils sont contents, ils le montrent pas, mais ok, tout est ok. Oh, vous avez bien travaillé là aussi. Parfait. Ok, bien, on a des ressources, hein. Bon, allez, on va retenter une run là, il faut que je gagne, putain. Attendez, il y en a un qui va pas là. Un traître. Ah oui, le traître, voilà. C'est ça, cher traître. Je te discipline un petit peu et je me casse. Voilà, encore une fois, ce sera bon. Bon, il reviendra dans les rangs. Comme prévu. Oh, salut. Vas-y, j'achète. En fait, j'achète plein d'adeptes parce que
Si les autres meurent de vieillesse, au moins je peux les remplacer direct. Parce que j'ai déjà deux vieux là qui me servent à rien. Les vieux ne travaillent pas, ils font rien, ils font que se balader et puis au final ils finissent par mourir. Alors, des trucs bien s'il vous plaît. Quand il vous reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts, c'est bien. Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez, c'est très bien. Les maléfices consomment 50% de moins, c'est bien. Et 2 cœurs bleus que je vais évidemment gâcher comme à chaque fois. Tac, la griffe et un projectile qui laisse de l'icor. Bon, c'est pas non plus la folie, mais bon. On verra. Ok, on a les gris griffes. Oh, c'est bien aussi les trucs qui tapent vite. Hein. J'ai pas mes démons, putain, mais je suis trop con. Mes démons, j'ai oublié mes démons. Bon, je vais faire sans les démons. Giga Chad, hein. Je vais tellement le regretter de pas avoir mes démons, putain. Tout seul, comme un grand. Allez, hop. Tout seul comme un grand. Oh, une lanterne. Super. Elle est où, ma chatte? Chatte? Je sais pas où elle est passée. Si ça se trouve, elle est en train de rompiche depuis, depuis 3 heures. Hein, au même endroit. Eh. À droite, hein. Ok. Ok. C'est de se débarrasser au max. Après, heureusement, j'ai le poison qui fait un peu comme si j'avais les démons avec moi qui tapent. Ok, fort bien. Ok, fort bien. Oh, ça m'a touché ça. Ah non, putain, j'ai eu peur. Putain, le poison il fait pas si mal, hein. Mais c'est déjà ça, mais ça fait pas si mal. Oh, un cœur, putain. J'en ai pas besoin malheureusement. Ok, on va descendre. Non, on va monter, on va monter. On va monter. Bonjour Nock, bienvenue. Bienvenue à toi. Ça me fait quoi ça? Ah oui, ça fait ça. Ça met de l'icor. Ok. En vrai, par contre, à la dernière run, le truc qui me rendait insensible au poison, c'était cool. Un peu déçu. Ils sont un peu chiants, eux. Un peu chiant, mais ça va, c'est pas les pires. C'est pas les pires sur lesquels je pouvais tomber. Oh la vache! Ah, c'est bien. Là, je m'en suis débarrassé assez vite d'eux. Je me méfie des petits, là, parce que souvent, je me prends des dégâts parce que je les sous-estime trop. Ok, c'est bon, ça passe. Ah, mes lentilles qui sèchent. Ouvre les yeux. Enfin, ferme les yeux. De temps en temps, frérot. Ok. Bon. Un collier lunaire. Je sais même pas à quoi ça sert. Faudrait que je regarde. On a la petite maison. Ou alors, on peut passer par là. On fait tac, 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 tac. Ah, au pire, on fait tac, 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 tac. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette couronne rouge, là? Ouais, j'ai un doute. Je vais plutôt faire ça. Hein. Je vais faire comme j'avais dit. Ok, let's go. Alors, on a quoi? Une couronne de soie. Bah oui, c'est le truc que j'ai failli acheter tout à l'heure aussi. Bon, bah en fait, en vrai, j'ai refait une run exprès pour avoir toutes les décorations. Tout était calculé. Bien sûr. Adepte. Toujours adepte, toujours. Enfin, quelqu'un qui prononce bien mon pseudo. Ah bon? Ça va très bien, merci. Shamura, nous rendons gloire à ta sagesse en te faisant cette offrande. Oh, grand gardien du savoir, montre-nous la voie. Vous ferez une offrande de rien du tout. Vous allez me donner mon putain d'adepte. Ok, ça tape. Ok, ça tape. Encore. Ok. Quand tu connais les patterns, ça va à peu près. Ça j'aime pas. Ça je n'aime pas. Ok. Ah putain, mais ils peuvent être blessés par leur propre poison. Ok, bien. Encore. Oh non, ça m'a touché. Je suis dégoûté.
Je voulais pas perdre mon cœur noir avant le boss. Mais de toute façon, ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je fasse toute la run en no hit. Et toute la run en no hit, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Bah voilà, on a récupéré notre chauve-souris. Le rituel de l'océan a pris fin. Bon, de toute façon, on s'en battait un peu les couilles. De ce rituel, on va pas se mentir. Ok, bien. La suite. Ah, si j'arrive au boss avec toute cette vie, ça peut être cool, mais j'ai pas confiance là. Je pense pas que je vais arriver au boss avec toute cette vie. Ça me mettrait bien, hein, avec 7 points de vie et demi, dont un cœur noir, ce serait ouf, mais je pense que ça va pas être possible. Wow! Youpi! Quelle heure il est? 17h déjà? Mais c'est pas possible, putain! J'ai vraiment perdu l'habitude de stream, hein. Je vois tellement pas le temps passer. Ouais. Peut-être que si je suis pas une grosse merde lundi, je restream. Mais j'ai des doutes. Ok. Tac. Je sais pas où aller, hein. Là-bas, je pense. Oh, mais il met du poison partout, lui. Vas-y, ferme ta bouche. Ok, hop. Ok, eux, ça va. Ils sont pas trop gênants. Enfin, elles. Ils sont pas trop gênantes encore, ces araignées, là. Ah, bah, c'est bon, j'ai tout. Me voilà. Ah, bah non, c'était pas de ça. J'ai tous les chemins, mais j'ai pas toutes les décos de l'antre de soie. Je me suis occupé des œufs en priorité, c'est ce qu'il fallait. Oh non! Putain, j'y crois pas, j'ai perdu mon cœur noir. Vie de merde. Et en plus, c'était sur une salle qui sert à rien. SMS. Bah, peut-être en descendant? Pardon. Je me suis laissé surprendre, ça n'arrivera plus. Tac. Bien joué-je. Mais c'est encore une fois une salle qui ne sert à rien. J'ai choisi absolument tous les mauvais chemins. Horrible. Aïe. Cours, Nalf. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça propose? Un truc bien, par pitié. Ah, une faux. Attaque au corps à corps dévastatrice. Invoque également des fantômes qui attaquent les ennemis. Ah, j'aime bien ça aussi. Ah, fait chier, j'aime bien les deux là. Mais je pense que je vais prendre ça. Ah, mais putain, mais c'est un. Ah, mais c'est un sort. Mais ça va en fait. C'est bien. Faudrait que je l'essaye. Attaque au corps à corps, ils ont dit. Oh, c'était un peu nul. Petit flop. Petit flop. Oh! Les ennemis qui attaquent à distance, quelle bande de chiens. Ah, j'ai perdu deux cœurs, mais bêtement quoi. Je vais essayer de voir dans les herbes s'il n'y a pas des cœurs. De toute façon, il me faut de l'herbe aussi pour mes adeptes vegan. Ok. Des fleurs, de l'herbe. Ah, je crois que j'ai tout du coup. Mais non, j'ai pas tout, mais putain, mais on est où là? J'arrive pas à voir le dernier truc de l'antre de soie, c'est bizarre hein. Comme ça au moins c'est juste une salle tranquille. Salut Dakishoujou, ça va? Quand tu m'as dit que le jeu était chronophage, bah je t'ai cru. J'ai quand même acheté le jeu et je me suis dit, il avait raison, j'ai pas eu le temps passer, j'ai joué 10h le premier jour. T'as vu? C'est abusé hein. On va ramasser les betteraves hein. Je peux pas juste les péter? Bah si en fait. Pourquoi ramasser les trucs quand tu peux juste les détruire? Ce jeu ce jeu prend trop de temps en fait. Bon, on retente. Putain. On retente. Calamar, je suis mort 4 fois dessus avant de le tuer. On verra pour elle. Oh là là. Ok. Ok, il reste lui.
Il est chiant, lui. Ok, il est tout petit, il tank. Normalement, c'est les grands qui tankent. Ah, on va aller par en haut pour voir. Oh! Oh! C'est les pires salles, hein. Quand elles sont toutes petites comme ça. Oh! Un cœur bleu! Mais c'est super, c'est ce qu'il me fallait. Ah, les petites salles avec beaucoup d'ennemis, c'est terrible, hein. C'est terrible. Poupoutre nous a quittés de vieillesse. Oh non, merde. Poupoutre est morte. Par contre, je vois pas les fantômes qui attaquent les ennemis. Où sont-ils? Fake news, je crois bien. Oh là. Quoi? D'où ça touche? Mensonge, calomnie, j'ai roulé. Ok, on a de l'herbe pour nos amis. Putain, je vais pas perdre toute ma vie avant le boss, hein, je vous le dis. Hein. Ok, là, il y a le cocon qui va péter normalement. Ok, bien joué, Nafle. Alors... Choc de la couronne, tire un projectile puissant qui a des chances de posséder les ennemis. Ou tire 3 projectiles à la fois. XV2, donc 7. Là on a du 8. Ah, les 3 projectiles à la fois, je trouve ça bien, putain de merde. Ça c'est un projectile puissant. Oh. Ça possédera pas le boss de toute façon, donc ça me sert un peu à rien. Les 3 projectiles peuvent être utiles pour le nombre d'ads qu'il y a en fait, c'est ça le truc. Tu veux rire, je peux pas récupérer mon ancien pseudo, il a été pris. Sérieux? Mais non. Bah c'est le moment de trouver le nouveau, hein mec. Du coup. Ouais, en vrai les 3 c'est bien. C'est le moment de trouver le nouveau pseudo. Putain, c'est chiant ça. Après avec l'Oclear, c'était sûr que... Il y a quelqu'un qui essaierait de reprendre le pseudo en rajoutant un T ou un N ou... C'est vrai qu'on n'y a pas pensé malheureusement. Ok. Bien, bien, bien. De l'herbe. Pour le dieu de l'herbe. Oh, un petit cœur. Ah bah parfait. Bon, on y va. On attaque ça avec quand même pas mal d'HP. Pff, allez. Je connais à peu près les... Je connais à peu près les patterns. Ouais, je me prends un coup d'entrée de jeu parce que je suis un connard, mais quand même. Alors... Petit souci de visibilité parfois sur les boss, hein. C'est le seul point faible du jeu. Enfin, le seul point faible. L'un des seuls points faibles du jeu. Ok. En fait, faut pas que j'hésite trop pour taper, j'ai remarqué. Ah, ça, j'aime pas ça. Je me le suis pris. Ok. Wouh, j'ai plus de mana. J'ai failli faire une grosse connerie. J'ai été un vilain garçon. Je peux pas le... Je peux pas l'empoisonner le boss. Ah, ça va, je le tue là, non? Si tout se passe bien. Oh, si tout se passe bien, je le tue là. Alors à moins que j'ai un giga bug, la manette qui se déconnecte ou je ne sais quoi.
Faut pas que je sois greedy par contre. Juste un gridou, c'est pas maintenant. C'est bon, je la tue, je la tue. Meurs. Ok, let's go. Oh. Tout ça à cause de l'autre qui s'est mis à utiliser le pseudo que j'avais depuis moins 12 ans, ouais c'est ça. Ah, cœur d'hérétique, let's go, on a tué l'araignée, putain quel plaisir. C'est pour tous nos amis arachnophobes. Ah, je vois une petite patte blanche qui commence à sortir du... de l'arbre à chat. Bon, on a tué le dernier hérétique, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Merci pour le GG, c'est gentil. Oh là là, tellement de moulaga. Ah oui, puis le trophée bien sûr, que j'ai pas mis pour le dernier d'ailleurs. Alors que j'avais dit le trophée de calamar, je vais l'exposer bien sale parce qu'il m'a... J'ai eu plus de mal sur calamar que sur... pour l'araignée de ses morts. Une petite patoune. Ouais, il y a une petite patoune qui commence à sortir là. Ok, on l'a fait en combien de temps? J'ai l'impression d'avoir rushé par rapport à la première fois. 13, ok. On a tué 148 ennemis. Ah, let's go! Ok, alors... Shamura se croyait sage, mais il était faible comme les autres, contrairement à moi. Sa vision était bien trop limitée pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Le temps est venu de me libérer. Bon, depuis le début de ce let's play, je dis qu'il pue. Je continue de penser que celui qui attend, il pue fort. Quel est le plus grand honneur pour toi que de restituer la couronne rouge à son véritable propriétaire? Ok. Je dois admettre que tu l'as porté presque aussi bien que moi. Tu as sacrifié 6 adeptes à la gloire du culte, à notre gloire. Seulement, l'intérêt que tu portes à la mort est admirable, agneau, mais la couronne est mienne et personne d'autre n'est digne de la porter. Bon, ça c'était sûr. Offre-moi ta vie, rends-moi ce qui m'appartient et tous pourront admirer ma gloire après près d'un millénaire de captivité. Mais nous ne pourrons pas faire cela ici, le dernier portail t'attend, hâte-toi, le grand moment est enfin arrivé. Si j'ai le choix, je garde la couronne, frérot, et je te déglingue le cul. Agneau, créature promise à une mort certaine par le dieu captif, questionne-toi, au nom de qui combats-tu aujourd'hui? Au nom de moi, en fait. Enfin, j'ai jamais vraiment combattu au nom de celui qui attend, moi, je m'en fous un peu. Oh, regardez, en plus, comme il m'aime. Il m'aime. Jour 77. Putain, mais t'es fatigué, Dumbo, va te coucher. Chakalaka. Tiens, va dormir. Tu m'as l'air dead. Ok, on a vaincu encore un prêt là. Putain, vous avez tellement prié pendant mon absence, c'est quand même fou. Hein. C'est quoi ça? Je peux pas améliorer mon cercle du cul là. Cercle d'invocation démoniaque. Ah non, il est à fond. Ok. Ok, j'ai rien dit. Bah écoutez, poste de mission... bon, là on arrive au bout du jeu, donc en vrai, vas-y, on va prendre ça. Hein. On verra bien. Patoune? Oh non, hein, bah, la patoune... La patoune, elle est sortie vite fait, puis elle est vite re-rentrée. Oh, putain, c'est vrai, Poupoutre! Poupoutre, tu vas devenir de l'engrais. Oh non, mais arrête de gerber sur son cadavre aussi. Ça te fait rire. Ici. Là, composter le corps. Parfait. Nettoyer le vomi de l'autre. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes tous malades là? Ah putain, mais vous êtes pas malades, vous avez faim, merde. Deux secondes. Venez. Venez, venez. Petit sermon, petite bouffe entre amis. Et après, on va voir ce qu'il nous veut, celui qui attend, parce que ça me... Bah du coup, ça m'intrigue. Du coup, ça m'intrigue de fou. Oh! Ok, hop. Suite à ça, couronne. Ah oui, c'est vrai que je peux avoir un nouveau bonus du coup. Permet de ressusciter en sacrifiant un adepte. C'est bien. Ah mais j'ai déjà tout en fait. Ah mais du coup, j'ai jamais fait ça. Je suis trop con. J'aurais pu manger un plat une fois par jour pour avoir un cœur et je l'ai jamais fait. Je suis vraiment un connard. Mais c'est pas grave. Je suis en hard mode, on va dire. Donc maintenant, en donjon, si je meurs, je peux choisir un adepte à sacrifier. Ce qui peut être très pratique si j'ai un vieux, qui sert à rien. C'est bien. J'aime bien. Attendez, c'est l'heure de bouffer aussi. Restez, restez tous. Petit repas avant la fin du jeu, ce serait cool. Bon appétit. Je déteste la tête de mon agneau, il est vraiment...
Enfin, il les regarde en mode... Je sais pas, il a l'air... il a un truc malsain. Il a un truc malsain dans le regard, notre agneau. Je viens de faire un succès richesse démoniaque, let's go. Alors, je dois réparer toutes leurs conneries, encore. Je sais pas ce qu'ils foutent la nuit, mais... Voilà. On va récolter ça. Récolter un peu leur caca avant qu'ils commencent à chier par terre. Ah bah ils ont... Ok, ils chient plus. Enfin, depuis que j'aurais installé des toilettes, ils ne chient plus. Quand il n'y avait pas de toilettes, t'avais des crottes partout dans toute la secte. Recevoir une récompense de fidélité de qui? Où ça? Ah, j'ai pas vu, merde. Ah si, là. Ok. Mais il faut juste que tu bouges, voilà. Parfait. Combustible, je m'en fous, je vais récupérer tout ça. Et puis on va aller voir celui qui attend, voir ce qu'il nous veut du coup maintenant. On va le libérer. Et on va voir si j'ai eu le nez creux, on va dire. Ah tiens, Locke. Ouais, c'est bon, arrête de gueuler. Je te discipline une dernière fois, puis t'arrêtes, hein, tu reviens dans les rangs. Tu reviens dans les rangs. C'est bon, il est gentil là. Locke ne se rebelle plus. Ouais, allez, t'es libéré. Allez, va bosser. Alors... j'ai plus besoin de m'occuper de grand chose, hein. Très bien. Ah, c'est ici que ça se passe, donc. Oh là là. Oh là là. Alors, bah c'est parti, hein. C'est parti. The portal. Libérons celui qui attend. Accomplir le rituel. Ah, il faut... Oh putain, il fallait 20 adeptes. Et bah, impeccable. Oh, il est tout bleu. Trop mignon. Prends pas tes démons. Non. Rien me dit que je vais devoir me battre pour l'instant. On verra après, hein. Oh! Ah, il m'aurait fallu des démons. Remarque, je m'en suis sorti sans là. Putain, je peux choisir mon arme? Ouais, mais j'étais sûr qu'on allait devoir taper sur la gueule de celui qui attend un jour. Marteau divin, épée impitoyable. On va prendre un gros marteau. Et ça, j'aime bien ça. Ok, allons voir. Oh, les décors sont pas dégueux, hein, j'aime bien. Ah, mais je crois que c'est même pas des donjons, c'est juste un gros... ça va être un gros boss, en fait, c'est ça l'histoire. Alors, Instant Gaming, ils sont adorables de me mettre sur leur page Cult of the Lamb. Mais alors, pour le mec qui veut acheter Cult of the Lamb et qui regarde le stream pour savoir si le jeu est bien... Et bah, il débarque à la fin du jeu, quoi. Désolé. Porte-couronne, je te libère de tes obligations. Rends-moi la couronne rouge et accepte sereinement la fin qui t'attend. Grâce à cet ultime sacrifice, je serai libéré. Enfin, enfin, je serai libre! Approche, porte-couronne, et accomplis ton ultime mission. Offre-moi ta vie en sacrifice. Oh! Mais non! Mes adeptes? Se soumettre au sacrifice, refuser ou accepter? J'ai déjà accepté au début du jeu. Ça n'arrivera pas. Deux fois. Oh! What the fuck? Alors, tu m'as trahi, porte-couronne? Mon culte vénère de fausses idoles, tu vas fuir ton devoir? Cette couronne est mienne par droit divin. Croyais-tu vraiment pouvoir berner la mort impunément? Maître, laissez-moi donner à cette vermine un avant-goût de votre toute-puissance. Oh mon dieu! Un chat qui marche! Hop! Tiens, dans ta grand-mère. Ouh! C'est quoi ça? Dans ma grand-mère! Faut que je regarde ses patterns, sinon ça va pas le faire. Oh non, il invoque des gens pas cool.
il attaque plus vite que moi. Oh, il attaque plus vite que moi. Les marteaux, c'est nul. Putain, on attaque... Je m'attendais pas à ce qu'on se batte contre ces larbins. Oh! Il tape trop vite. Ouh. Il est mort, il est mort. Ok, bien. Ok, un de moins. Let's go. Je vais m'occuper de cette bête, maître. Je récupérerai votre couronne en lui arrachant la tête. La grosse tête. Ok, deuxième mini-boss. Ouh. Ouh. J'avais pas vu ça. Oh mon dieu, mais ça surprend un peu. Les dégâts que je mets. Oh bâtard, tu fumes. Oh, ah bâtard, tu fumes. BZ. Je t'ai BZ. Let's go. Tu crois avoir remporté la victoire, hein, n'est-ce pas? Tu penses être hors de danger? N'oublie jamais que tu m'appartiens. Putain, j'ai les lentilles qui sèchent. Misérable agneau, je vais t'égorger et te torturer jusqu'à la nuit des temps de Dieu. Même dans la mort, tu ne m'échapperas pas. Oh merde, à quoi il va ressembler? Mais si tu pouvais être libéré depuis le début, pourquoi tu l'as pas fait? Chien. Ah, mais c'est un gros chat, trop mignon. Celui qui attend. Dernier boss. Enfin, je crois... Oh, putain, les dégâts que je lui mets. À l'aide. Ok. Oh! Oh non! Oh non! Oh, je l'ai raté. Putain, on dirait les marmottes que tu dois taper dans le truc à la fête foraine. Bordel à queue! Reste ici! Non, saloperie! Mais tiens, ta grand-mère. Et encore. Et encore. Oh là là. Mon cœur danse la Macarena. Oh, c'est compliqué là, non? Niqué. Oh oui, encore un coup, non? Yes, let's go. Crois-tu vraiment que je sois vaincu? Bah, t'as plus de barre de vie. Dois-je te rappeler que je suis un être divin? Vin? Tu pensais avoir Oxy un dieu? Oh! Oh! La gueule! Fausse idole, ta corruption s'est propagée au sein de mon propre cul. Oh non, mes adeptes! Oh, Ah! Ah! Tiens, meurs! Oh! Oh mon dieu, mais c'est. Adoudi, gadou! Je connais pas les attaques. Il faut que j'observe les attaques parce que sinon ça va pas le faire. Il y a un petit cœur là, je le veux. Tiens, meurs, œil! Ah, j'ai tout esquivé. Oh non. Ok, encore un coup. Ok, très bien. Oh, plus d'œil. Super. Oh, ça donne un cœur en plus, incroyable. Il est trop stylé le boss par contre. Il est incre. Oh. Mais on est dans Enter the Gungeon ou c'est comment? Oh. Aïe 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 aïe, je prends cher, hein. Ok, un de moins. Ouh.
Allez, tape. Ok, c'est bon normalement. La crème. Agro, agro, waf, waf. Oh, c'est TQ ça? Je pense, hein. Eh, monsieur! Oh non. Ah, TQ, merci beaucoup pour les 13 mois. Merci, c'est gentil. Comment j'ai trop bien reconnu, moi. Moi, moi. À l'aide. Get up. Oh, bien joué, Naf. Un petit cœur rouge. Vas-y, sors de là, sors de là. Sors ta tête. Sors ta tête d'œil. C'est quoi tout ça, là? Je connais pas les patterns de tout ça, moi. Ok, c'est bon. Sors ta tête, l'œil. Voilà. Ok. Oh, oh. J'ai pas aimé, hein. Ok. Wow, Champs-Élysées. Mais quel PGM, hein. Un véritable PGM, hein. Oh. Ah, oh. Œil de merde. C'est un véritable no hit qui est proposé par le joueur français. Il faut que je ferme les yeux de temps en temps, mes lentilles sèchent. Non. Le no hit est ruiné à cause de moi et ma connerie. Ok. Ish. Oh. Oh oui. Ok, les yeux c'est fait. Ensuite, faut que je lui tape la gueule. Oh. Let's go. Oh putain, celui qui attend est devenu tout petit. Il semblerait que tu m'aies remplacé. En plus son skin est trop mignon. Posidole, agneau démoniaque, créature de malheur. Dans ce cas, quelle sera ta décision? Seras-tu une divinité vengeresse et cruelle ou lâche mais miséricordieuse? Cette fois-ci, le choix est tien, tout comme la responsabilité de cette décision. Épargner ou tuer? La pire insulte que tu puisses faire à ton ennemi, c'est de le soumettre plutôt que de le tuer, je pense. Je vais l'épargner. En plus, il pleure, c'est trop mignon. Non, je l'épargne, vas-y. Tu n'es qu'un être pitoyable et faible, pathétique et... Attends, non. Bah ouais, mais tu seras à ma botte en fait. Ce qui est humiliant pour toi. Eh, hey, libère la crime, impec. Ouais, toute ma petite famille. Bon, il en manque, hein. Mais il y a toujours Milaoué qui est toujours vivante, c'est cool. Oh, Squalala. Merci pour le GG. La bête sacrificielle s'est affranchie de son maître pour révéler sa véritable forme. Elle ne sera plus esclave désormais car elle s'est élevée au rang de divinité. Oh, l'agneau est devenu un dieu. Merci d'avoir joué, noble disciple. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous afin que tout le monde puisse profiter des enseignements de l'honorable agneau. Nous avons fini le let's play Cult of the Lamb. Oh, let's go. Il aura fallu une pause de 3 mois pour enfin finir. Il se passe quoi si tu acceptes de rendre la couronne? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah, mais c'est super ça! Salut YouTube, à bientôt. Voilà, ça c'est bien. Ah, je peux accélérer? Attendez, est-ce qu'il reste des trucs à voir? Attendez, attendez, je veux accueillir celui qui attend là quand même. Ah non, c'est pas lui. Oui, mais je m'en fous de toi, pubre. Vas-y, dégage. Je veux celui qui attend, moi. Enlève-toi de là. Ouais, va prier. Mais c'est toujours pas celui qui attend, ça. Non, mais va-t'en, toi aussi. Oui, oui, je te laisse rejoindre. Tu t'appelles comment? Torjulgr. Oh. Allez, 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 allez. Va prier avec les autres. Mais il est où celui qui attend? Yarnagre. Bienvenue. N'hésite pas à lâcher ton prime. Allez. Hop.
va prier avec les autres. Tout le monde va prier. Mais putain, c'est pas possible. Il y a peut-être des adeptes. Oh, celui qui attend, c'est lui. Eh ben, tu vas t'appeler... Puanteur. Voilà, tu t'appelleras Puanteur à partir de maintenant. Et tu seras tout rouge. Travaille et génère de dévotion divine, moins 10 de fois, n'atteindra jamais la vieillesse. Oh, il est immortel. Tu t'appelleras Puanteur pour la fin de tes jours. Voilà, bah qui n'auront pas de fin en fait, pour le restant de tes jours qui n'auront pas de fin du coup. Et tu vas me prier, voilà, pour l'éternité. Et je trouve que c'est une belle fin, en vrai. Nous finissons avec 27 adeptes, hein, mine de rien. Sur ce, je pense qu'il est temps pour moi d'aller jouer aux osselets jusqu'à ce que tout le monde meure de vieillesse dans leur vomi et leur caca. Je pense que c'est une belle morale, une belle fin, voilà. Eh ben dis donc, c'était bien Cult of the Lamb, hein. C'est quand même un sacré jeu. Hein. Du coup, merci d'avoir suivi ce let's play, les amis, c'était ouf. Salut YouTube, à très bientôt.